Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ça a été très très long à se mettre en place, hein, mais voilà, ça y est. Alors, bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, on en est quand même à notre quatrième webinaire sur l'astrologie. Alors, Jean-Yves, je sais que tu as une semaine très très chargée puisque tu es en train de tout faire un tournage avec le docteur Luc Baudin. Sur l'amour, c'est formidable. On s'est fait très très plaisir. Alors, c'est quelque chose qu'on vous réserve d'ailleurs pour le 14 février, hein, qui ne sera pas en live, qui sera en enregistré, mais qui peut être un très très beau webinaire. Alors, ce soir, notre quatrième webinaire sur l'astrologie concerne les qualités et défauts des signes. Donc, tout un programme. Alors, j'ai un petit problème encore avec mon ordinateur là. Alors, Jean-Yves, est-ce que tu peux nous dire déjà, nous parler un petit peu de ce qu'est une qualité et défaut de ces fameux signes, puisqu'on sait qu'on a 12 signes, donc on peut imaginer tout de suite qu'on n'a que des qualités, mais non, il y a des qualités et des défauts. Alors, effectivement, le préambule, c'est qu'il faut avoir en tête que les qualités pour les uns peuvent être des défauts pour les autres. C'est complètement une vue de l'esprit. C'est quelque chose de complètement subjectif, en quelque sorte, parce que on incarne un fonctionnement qu'on s'approprie, on a besoin d'être en harmonie avec ce qu'on est, en harmonie avec notre conscience, en harmonie avec tout ce qu'on représente. C'est la visée, hein, c'est comme ça qu'on vit en équilibre avec soi-même pour commencer. Et donc, on va observer autour de nous des fonctionnements qui vont être très différent des nôtres. Et plus ça va être différent, plus on va avoir du mal à l'intégrer et à l'assimiler. Voilà, on va faire le tour en détail. En revanche, il y a plusieurs points à mettre en place, plusieurs basiques à expliquer pour en comprendre l'essence. Quand on va parler, on va faire le tour, on va se faire le tour du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, on va tous les faire. Qualité défaut, avec des petites variantes sur lesquelles je voudrais appuyer pour démarrer une sorte de préambule. Dans l'absolu, il y a, quand on s'intéresse à un profil, on s'intéresse à un tas d'informations. On va dire, un bélier, qu'est-ce que c'est? C'est prendre la condition solaire du bélier, c'est-à-dire le seul point qu'on a tous en commun, le moment où le soleil transitait l'axe qui correspond à la saison du printemps, le premier axe de la saison du printemps. Voilà, c'est ça. Dans l'absolu, quand on lit Bélier dans l'horoscope, on suit pas mal des constellations, on est dans un rythme de saison, et c'est là-dessus qu'est construite l'astrologie, finalement, hein, le reste, c'est de l'habillage extérieur, le rythme des saisons. Donc, on va voir que les profils du printemps ont plus de puissance d'énergie, mais moins d'endurance que les profils qui sont en hiver. J'aime bien qu'on démarque sur cette logique-là, parce que ça donne déjà une approche. Donc, en préambule, le bélier va trouver, par exemple, que le capricorne, il est lent à la détente, et le capricorne, il va se dire, le bélier, il va pas bouger, il va pas plus loin que le bout de son nez, il fonce dans tout ce qui bouge, et c'est pour ça qu'il a autant de marge d'erreur. Mais en attendant, qui initialise des situations dans l'absolu, c'est mon bélier. S'il n'y avait pas de bélier, il n'y aurait rien qui se créerait, et ainsi de suite. Donc, il y a cette synergie qu'il faut avoir, qui consiste à se dire, on a tous une vision et un fonctionnement qui nous est spécifique. Premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes le fruit d'un ensemble de facteurs, de paramètres qui sont notamment liés à notre éducation, notre environnement, notre hérédité, l'endroit où on vit, notre expérience de la vie. Tout ça intervient également de façon très très importante dans l'équation d'ensemble, avant de voir les qualités et les défauts. Ensuite, après, c'est une équation plus technique, mais là, c'est beaucoup plus intéressant. Ceux qui suivent les petits cours avec moi, maintenant, commencent bien à se familiariser avec ce système, à se familiariser avec ce procédé. C'est que une condition solaire, un soleil, bélier, taureau, machin, c'est une information. Et en fait, quand on commence à comprendre que on a une information qui est une information pour gérer les autres à l'extérieur, un signe, une information qui donne le sens de la direction vers laquelle on va en toute conscience dans la vie, c'est une autre information, c'est le soleil. Et enfin, une troisième composante qui est la manière dont on se comporte au quotidien dans la vie de tous les jours, qui est la lune, et que ce triptyque-là, il est indissociable, il est complètement indissociable. Donc à chaque fois, on aura du sur-mesure. À chaque fois, on a une 12 fois 12 fois 12, ça fait 1440 combinaisons possibles, ne serait-ce que sur ces trois paramètres-là. Et encore, on va pas compliquer la sauce, on va pas parler des outils. Je vous en ferai une approche très succincte ce soir, qui est de prendre en compte un élément central, majeur, c'est le maître des signes solaires.
pas vous donner des choses trop compliquées. Mais le maître du signe solaire, c'est quoi? Je vous explique. Un bélier, c'est fait pour foncer. Et si c'est fait pour foncer, il a besoin d'un moteur dans sa voiture qui tienne la distance, qui tienne la route, qui ait suffisamment de puissance. Si vous prenez un énorme 4x4 et que vous lui mettez un moteur de mobylette, il va avoir du mal à faire son boulot, le 4x4. Il va avoir du mal à démarrer, il va avoir du mal à foncer, donc il va faire plein de bruit, il va pas avancer vite, et puis il va peut-être faire plein de fumée, et puis il va boucher toutes les circulations. En gros, c'est ça. Donc, si on veut prendre un bélier, le premier réflexe, c'est est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions? Et les moyens de ses ambitions, on va regarder les outils, on va regarder ce qu'il a dans les poches, en clair. Et ce qu'il a dans les poches, on va tout de suite regarder son maître outil. Hein, si on a un bûcheron, on regarde la qualité de la hache. Et ben, si on a affaire à un bélier, on regarde où est Mars, la planète maîtresse au moment de la naissance. C'est un truc à connaître. Et ça marche pour les 12 signes. Donc, il est évident que lorsqu'on est un signe, quel qu'il soit, il n'y a ni meilleur ni moins bien qu'un autre. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir dans les poches les moyens de ses ambitions, les outils qui vont avec ses besoins. Quand on piche ça, on fait un pas de géant dans l'assimilation de l'astrologie. Allez, c'est parti. Tu veux une question, une approche? Dis-moi, Emmanuel. Justement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les planètes maîtresses de chacun des signes? Ah, si tu veux. D'accord. Ok, on va faire ça. Alors, il y a des petites subtilités. Hein. Des petites subtilités, c'est qu'il y a des signes qui ont plusieurs planètes chez elles, en fait. Et donc, ça complique un peu la sauce. Prenons le bélier, c'est Mars, c'est l'action. C'est le premier maître. Hein. Le premier maître, c'est l'action, la volonté, etc., l'énergie. Et il a un deuxième maître qui est le soleil, qui est Soleil, c'est la conscience, mais c'est aussi en même temps l'ego. Faut être clair. Soleil, c'est moi, c'est rare, le dieu rare, c'est regardez-moi, je suis le centre. Donc le bélier, c'est mixte. C'est je suis le premier, je suis le plus beau, mais je suis le plus beau et j'aime bien être le premier de cordée pour foncer. Voilà. Ça, c'est les deux planètes maîtresses en bélier. Le taureau, ces deux planètes maîtresses, bah, elles sont complètement différentes. C'est la lune, donc les humeurs, la sensibilité, le ressenti, le calme, l'apaisement. Et l'autre, c'est Vénus. Vénus, c'est quoi? C'est la vie amoureuse, encore une fois, le plaisir, l'amour, le tactile, etc. Donc, on est dans des signes qui sont très, très différents. Autant mon bélier, il est fait pour foncer, et puis c'est un signe de feu, donc hein, il y a de l'élan et de l'énergie à dépenser. Autant mon taureau, il est dans une logique de ressenti, d'émotion, d'intuition liée par la lune, et d'amour, et de possession, et de toucher, et c'est à moi que j'aime, dit mon taureau, parce que c'est un signe de terre, gouverné aussi par Vénus. Allez, on passe aux gémeaux, on passe au signe d'air qu'est le gémeaux, que sont les gémeaux, ils sont doubles, on sait. Le gémeaux, c'est un signe d'air, donc de contact, et c'est un signe gouverné par Mercure. Mercure, c'est le mental, l'intelligence. L'adaptation aux situations, quelle qu'elle soit, caméléon, hein, capacité à jongler, à défendre une théorie et son contraire avec la même fluidité, on connaît l'histoire, faut les arrêter parce que sinon ils sont capables de communiquer lorsqu'ils sont en confiance et lorsque Mercure est beau chez eux. C'est très très important parce que vous prenez un gémeau et vous lui mettez pas Mercure, son maître outil, dans un autre signe que le sien, ça va faire un gémeau complètement différent. Imaginez un gémeau dont le Mercure est en taureau, ça va me donner un gémeau qui a besoin de goûter pour y croire, et puis tant qu'il a pas goûté, il y croit pas, puis quand il a goûté de gâteau au chocolat, il y a que ça de vrai, hein. Le reste on peut le jeter. Donc ça peut donner des idées parfois un peu tranchées, quoi, un peu rigoureuse, un peu obtus presque pour certains. Alors que si Mercure est chez lui en gémeaux, c'est un génial, quoi. Regardez Idriss Aberkane, le type a un concentré d'intelligence, un vrai gémeaux. Et puis après, vous avez les gémeaux, on m'attarde un peu sur le sujet parce qu'on en parle comme ça, c'est l'anecdote, les gémeaux avec Mercure le maître en cancer. Et gémeaux avec Mercure le maître en cancer, à qui est-ce que je pense tout de suite? Je pense à Trump. Je pense à Trump, parce que lui, c'est un gémeau avec Mercure en cancer. On a fait une vidéo il y a quelque temps avec, comment il s'appelle déjà, celui qui... Fabien Olicard, là, il est... Et il m'a mis en lumière avec ce coup de Trump que j'ai pas vu venir. Et en fait, j'ai dit, mais avec son Mercure cancer, les émotions passent sans réflexion. Et ils peuvent envoyer des horreurs, des gaffes monstrueuses, parce qu'ils filtrent pas. Le cancer, c'est des émotions, les ressentis. Quand on sert de Mercure, le mental, et qu'on le fait passer par le filtre de l'affection, on peut sortir des gaffes monstrueuses et dire ce qu'on pense tout haut, ce qui peut le mettre dans des situations absolument épouvantables. Et en fait, il est pas si ballot que ça, c'est juste qu'il est d'une maladresse absolue à communiquer.
et ainsi de suite. Voilà. Chez le cancer, c'est la lune, les émotions, les ressentis, l'affect, la famille. Il y a Jupiter qui est pas mal aussi. Jupiter, l'expansion, la réalisation en fin de vie. Chez le lion, bien que le soleil. Chez la vierge, c'est Mercure, le mental dans ce signe de terre. Chez la balance, il y a deux maîtres. Il y a l'amour, Vénus, et Saturne, la mélancolie. C'est pour ça que chez mes balances, j'ai toujours le réflexe de les pousser à aller vers leur bon côté, enfin le côté dans lequel qui les rend le plus heureux, du relationnel, de qualité, de la gentillesse dans la vie de tous les jours, de l'affect, un équilibre affectif. Sinon, c'est Saturne qui prend la place, parce qu'il est aussi chez lui. Et si Saturne, c'est la mélancolie qui peut aller jusqu'à la déprime. On est dans le premier des signes saturniens. Hein. Ensuite, j'ai mon Scorpion. Scorpion, Hadès, le dieu des enfers, et Mars, l'énergie, la volonté. Mon Sagittaire, Jupiter, l'autorité, la loi, l'expansion, le positif, la jovialité, l'optimisme. Mais en même temps, Neptune, attention aux idéaux inaccessibles. Mon Capricorne, Mars, la volonté, le travail, l'action, et Saturne, la rigueur, ça en donne des formidablement bosseurs. Et puis, chez mon Verseau, Uranus, indépendance, créativité, pas faire comme tout le monde, signe d'air de contact, et en même temps, Saturne, la rigueur, c'est-à-dire que mes Verseaux, parfois, on est surpris, parce qu'ils peuvent être un modèle de vertu, de rigueur, de travail, de linéarité, et puis un jour, on les voit pas venir, du jour au lendemain, ils pètent un câble, le côté Uranus rebelle, le côté Uranus révolutionnaire se réveille d'un coup sans qu'on le voit venir, et pan, ils envoient tout balader, et ils disparaissent de la circulation. Voilà, toujours assez inattendu les Verseaux pour ça, pour les comprendre. Et puis enfin, j'ai les poissons, ils ont trois planètes chez eux, les poissons. Ils ont bien évidemment Neptune, l'idéalisme, parfois le rêve, faut faire gaffe. Jupiter, la chance, le savoir-faire relationnel et le fait d'attirer à eux une sorte de bienveillance naturelle. Et ils ont Vénus, l'amour, ce côté romantique qui fait que souvent chez mes poissons, quand ils sont jeunes, en tout cas, ils peuvent tomber amoureux de quelqu'un qui est à 10 000 kilomètres. Et puis, parce qu'il y a une projection idéalisée de cette vie amoureuse. Et puis, quand ils le récupèrent dans la vie de tous les jours, ils se disent, oh, c'est un peu tristoun, j'étais plus amoureux quand il était à 10 000 bancs que quand je l'ai tous les jours. Mais c'est une autre histoire. Voilà, vite fait, les planètes maîtresses qui gouvernent mes 12 signes. Voilà, comme amorce. Alors, avant de commencer un petit peu à voir les défauts et les qualités, est-ce que les défauts et qualités d'un signe sont les mêmes quand on parle du Soleil, de la Lune, Mars, Mercure, etc. Excellente question, merci Emmanuel. Celle-là, je ne l'ai pas vue venir, mais elle est vraiment bien. Parce que, bien évidemment, il y a des endroits, chaque planète, si on prend le Soleil et la Lune et l'ascendant, oui, absolument. Le boulot de l'ascendant, qu'est-ce que c'est le boulot de l'ascendant? C'est tout ce qu'on acquiert depuis l'enfance, avec une fonction très précise, c'est la vie en collectivité. C'est toujours cette image que j'ai en tête. Ah, je vous la refais vite fait. Voilà, je ne résiste pas parce que c'est mon plaisir quand même. Il y a trois paramètres. Il y a ascendant, soleil, lune. Ces trois paramètres-là, ils sont indissociables. Quand on parle de l'un sans parler des deux autres, on commet techniquement une sorte d'impair parce qu'on occulte les deux tiers de cette synergie qui est à la base, complètement indissociable. Donc, l'idée, elle est simple. Gardez le mnémotechnique. Il y a 2-3 millions d'années, j'adore cette image, je ne me lasse pas. Il y a 2-3 millions d'années, on sortait de la cahute et on devait faire quoi? On devait aller chercher, quand on sortait de la cahute ou de la grotte, etc., on devait aller chercher à boulotter parce que notre réflexe, c'était la survie. Et comme on devait aller chercher à boulotter, eh ben, on sortait avec la lumière, soleil, donc ça nous obligeait à une vision lucide, à identifier les objectifs à atteindre. Pourquoi? Parce que sinon, on rentrait bredouille, puis si on rentrait bredouille, ben, on n'avait pas à boulotter, puis c'était la fin de l'espèce. Donc, pour assurer la pérennité de l'espèce, il fallait qu'on soit efficace dehors. C'est pour ça que, tiens, parmi les mammifères, il y a une façon de reconnaître qui sont les herbivores et qui sont les carnivores. C'est un truc physiologique tout ballot, on n'y pense jamais. Les herbivores, ils ont généralement des visions périphériques. Regardez la poule, regardez le cheval. Ils ont des visions périphériques qui leur permettent d'identifier les problématiques potentielles qui peuvent venir les boulotter, justement. Donc, plus ils voient large, plus ils voient un truc qui peut venir les boulotter, plus ils se carapatent. En revanche, les prédateurs ont les deux yeux qui regardent dans la même direction pour leur permettre d'identifier la distance qui les sépare de leur proie. Et si on analyse ça, regardez les loups, regardez les tigres, les yeux qui regardent devant, le regard perçant. Et donc, par extrapolation, par extension, l'homme, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un prédateur, finalement, quand on regarde bien. Et donc, sur cette logique-là, notre condition solaire, c'est de sortir de la cahute, d'être lucide, avec des objectifs très concrets, très pratiques. Donc, c'est mes objectifs solaires, c'est ceux qui remontent à la conscience. Soleil, c'est la conscience.
Donc, en fonction des signes, mon soleil, il va prendre des résonances tout à fait différentes. Par exemple, en bélier, ça donne d'extraordinaires chasseurs, parce que Mars est là pour les soutenir. En revanche, ce sont des chasseurs qui sont rapides, ils sont bons pour, comme on appelle ça, pour le 100 mètres. Ils ont une puissance de frappe exceptionnelle, mais ce qu'on dit en allemand, c'est du blitzkrieg, c'est de la guerre éclair. Ils sont terriblement efficaces à court terme. Hein. L'endurance, c'est le printemps. Le printemps, c'est pas l'endurance. La force rapide, l'intervention immédiate. Il faut attendre l'hiver pour l'endurance. Voilà, le bélier, il est bon, il est dans l'attaque. Alors, par extension, l'opposition, la planète qui est en face, quand il est en balance, ben l'ego, le moi-je, le je-veux, ben, tout ça, c'est au minima, hein, la bonne blague. Donc, quand on peut, le bélier a parfois trop de volonté, hein, solaire, et en face, quand il est en balance, on peut reprocher presque de pas avoir de trop de volonté, parce qu'on est dans l'axe de celui qui pense à nous chez la balance. Hein. Oh, le balance, si ça te fait plaisir, moi, ça me dérange pas, on va faire ce qui te fait plaisir. C'est des mamours, quoi. Mais peut-être qu'il faut pas attendre trop d'eux, la même puissance qu'on a chez le bélier, chez celui qui est en face, qui a la moindre puissance au niveau de la volonté, du désir, de l'affirmation, du capacité à trancher, etc. Voilà. Première maîtrise du soleil. Deuxième maîtrise du soleil, on va regarder où est-ce qu'il est. Il est en lion, au cœur de l'été. En lion, on le sait, c'est là où le soleil est le plus flamboyant. C'est là où le besoin d'aller vers la lumière est le plus fort. Donc, par extension, quand le soleil est en verso, l'ego est le plus faible. Dans mon esprit, le lion considère qu'il est centre du monde, là où l'adulte verso a compris qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert. Voilà, c'est comme ça, c'est ni bien ni pas bien. On était dans l'ego du solaire. Après, pour la lune, ben, c'est le taureau et le cancer. On est dans l'affect, dans l'émotion, dans l'attachement, dans la réceptivité, dans la sensibilité. Après, pour Mercure, c'est quoi? C'est l'intelligence, le mental. Gémeaux et vierges, tout de suite, ça percute comme ça. Le besoin de s'adapter chez le gémeaux à n'importe quelle situation, un caméléon exceptionnel qui pige plus vite que tous les autres réunis. Et chez la Vierge, l'analyste pur et dur qui représente la saison des moissons qui fait le tri après le lion, qui sépare le bon grain de l'ivraie. Voilà, Mercure le mental, hein, analyste structuré carré. Qu'est-ce que j'ai après Mercure? J'ai Vénus. Vénus, où est-ce qu'elle est à l'aise? Elle est à l'aise en taureau, elle est à l'aise en balance, elle est à l'aise en poisson. Hein. Donc, dans ces signes-là, Vénus donne plus de charme. Tout simplement, hein, on n'est pas dans l'affrontement bourre-pif, on est dans le savoir-faire relationnel, on est dans le besoin d'aimer, et comme le besoin d'aimer est là beaucoup plus fort, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des profils qui vont se donner les moyens d'être beaucoup plus doux, beaucoup plus charmants, beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympathiques sur le plan relationnel, parce que leur paramétrage, leur besoin d'amour va être dosé de façon prioritaire, tout simplement. Voilà. Après, il y a Mars, la volonté, mais en même temps l'affrontement. C'est l'attaque, la guerre. Hein. Mars est beau à trois endroits. Mars, il est beau en bélier, hein, super attaquant, en scorpion, super combattant, en capricorne, combattant endurant. Voilà, pour faire simple. Hein, les bosseurs, les durs à la tâche, les volontaires, ceux qui n'ont pas peur de se remonter les manches, mais surtout qui n'ont pas peur d'aller au feu, en fait. Au feu, ça veut dire beaucoup plus de friction que les autres, c'est comme ça. Et puis après, vous avez les signes dans lesquels Jupiter maîtrise. Jupiter, c'est l'expansion, c'est Zeus, c'est la foudre. C'est l'autorité, les lois, les colonnes, les règles, voilà. Mais en même temps, c'est l'optimisme, la chaleur, la jovialité, le positivisme. Et Jupiter, où est-ce qu'il est fort? Où est-ce qu'il est puissant? Ben, c'est en Sagittaire qu'il est le plus beau. Mais il est beau en poisson aussi. Il y a toujours souvent, une délicatesse, un savoir-faire relationnel tout à fait délicieux chez les poissons. Et il peut être aussi très beau en cancer, qui en général, dans ce signe, permet Jupiter dans le signe du cancer, ça permet de terminer son existence statistiquement dans des très très bonnes conditions financières. C'est un truc à connaître, voilà, petit truc de savoir d'expérience. Après, vous avez Saturne, c'est l'hiver, c'est la rigueur, les garde-fous, les structures un peu psychorigides, les contraintes face à la vie, l'hiver, quoi, voilà. Et ben, Saturne, il est fort dans deux signes d'hiver que sont le Capricorne et le Verseau, la rigueur, le travail, le sérieux, la fiabilité, la vision à long terme, mais également en balance. Voilà, c'est un changement de saison qui fait qu'on est obligé d'amorcer une dynamique beaucoup plus rigoureuse. Dans ces trois signes-là, Saturne, ça donne des profils qui voient loin, qui tirent des leçons des choses, qui ont cette capacité, cette disposition à ne pas déborder, à être dans le contrôle, dans la retenue, dans l'économie, en fait. Toujours mon image de l'arbre qui doit survivre jusqu'au printemps, hein, dans les périodes d'hiver. Donc, il s'économise parce qu'il veut durer, il veut aller loin.
Voilà, c'est ça Saturne. Après, il y a Uranus qui gouverne le Verseau. Pour certains, il gouverne aussi le Scorpion. C'est le rebelle, quoi. C'est celui qui fait jamais rien comme tout le monde, qui a besoin de sortir des sentiers battus, qui a besoin d'être créatif, original, novateur. Voilà. C'est quelqu'un qui, ça peut donner des révolutionnaires aussi, ça. Parfois, ils sont très en avance sur leur temps, mais tellement en avance sur leur temps qu'il faut pas qu'ils perdent le fil avec le collectif. Enfin, toujours la subtilité. Et puis, les poissons. Avec Neptune, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Neptune qui reboucle mes poissons avec l'idéaliste, parfois le rêve, faire gaffe à ça. Et puis enfin, j'ai Pluton qui gouverne le Scorpion, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure avec le Scorpion, tout simplement. Voilà, voilà pour les planètes. Après, il y a un autre élément qui est important, c'est l'ascendant. Alors l'ascendant, si on raisonne ensemble, on raisonne de façon simple, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des endroits où l'ascendant va être plus chanceux que d'autres? C'est une vraie question, ça. Ben, je vais vous soumettre une hypothèse pour qu'on avance ensemble sur ce raisonnement-là. Moi, j'ai une conviction, mais j'aimerais bien vous la partager. On l'a vu, l'ascendant, c'est quoi, mécaniquement? Ah, ça mérite qu'on le refasse. Je vous le fais plus court que d'habitude. Il y a 3 millions d'années, quand on était soleil-lune, conscient-inconscient, il y avait que ça. Hein, on sortait de la culte pour boulotter, on rentrait dans la culte, on dormait, on faisait des câlins, on faisait des papouilles, etc. Parce que on avait besoin d'énergie naturelle, et puis on avait besoin de dormir et d'être zen dans le groupe pour se recharger, pour repartir à la chasse le lendemain. Soleil-lune. Et puis, dans notre histoire, il est arrivé un moment où, de ce système de cahute et de système de nomadisation, on était nomades pendant des millions d'années, quoi. On arrivait dans un coin, on boulottait tout, quand il n'y a plus rien à boulotter, hop, on prenait nos kicks et nos claques, on allait boulotter plus loin, puis on envahit toute la planète comme ça. Mais il n'empêche que, à un moment, on a réalisé que si on plantait des graines dans le sol et si on faisait de l'élevage, on n'avait plus besoin de bouger. C'est pour ça qu'on s'est implanté. On appelait ça se sédentariser. Et ben, d'un seul coup, dès qu'on s'est sédentarisé, on a fait plein de gamins, on a fait plein d'enfants. Voilà, c'était comme ça, on était plus stable. Donc plein d'enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un seul coup, en quelques générations, la quantité de gens qui habitaient au même endroit, dans la même zone, est devenue énorme, quoi, énorme. Donc, en toute proportion gardée, bien évidemment, quand on compare à maintenant, mais il n'empêche que cet accroissement de population, on a été obligé de mettre en place des règles de vie sociale. Hein. Les règles de vie sociale, c'est dis bonjour à la dame, c'est tu tueras pas ton voisin parce que son mouton a fait caca devant ta maison, toutes les règles de vie, sa femme elle est jolie, sa fille aussi, etc., on n'y touche pas, bref, on les a même déifiées, ces règles de vie en société. On leur a donné un estampille gravé dans le marbre en disant il y a un être supérieur qui vous dit qu'il ne faut pas tuer le voisin, qu'il ne faut pas voler les chèvres de l'un, qu'il ne faut pas piquer les grains de l'autre. On a structuré ça d'une telle façon que on les a intégrés. Et c'est ce qu'on appelait le surmoi, et c'est ce que j'appelle l'ascendant. Voilà, c'était juste pour cadrer le contexte. Donc l'ascendant, cette image qu'on projette de soi, tout le reflet d'éducation, pour vivre avec les autres, on se doute bien qu'il y a des endroits où il va être plus chanceux. J'aime bien utiliser l'angle chanceux ou pas chanceux, vous allez voir pourquoi. L'ascendant, c'est donc la première image qu'on donne de soi. C'est le premier contact, là. C'est notre carte de visite, c'est notre vernis social, c'est vraiment ce qu'on projette de nous. Donc, on se doute bien que si on projette de nous une image douce et positive, ça passera mieux que si on projette une image froide et négative, voire agressive. Fort heureusement, ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est qu'on peut travailler en toute conscience sur son ascendant, vu que c'est l'image qu'on projette de soi. Bref, il y a trois, voire plus, ascendant qui porte chance. Il y en a trois qui portent chance, c'est évident. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a les chanceux dans la vie sur le plan relationnel. Les chanceux dans la vie sur le plan relationnel, on va voir les trois gagnants. Les trois gagnants, numéro un, c'est l'ascendant balance. Pourquoi est-ce que c'est l'ascendant balance, le premier de tous les gagnants? Ben, on regarde dans notre histoire, Charles de Gaulle et François Mitterrand, c'était deux scorpions, donc deux tempéraments qui rigolaient pas, mais ils avaient tous les deux l'ascendant balance. C'est-à-dire, ce savoir-faire relationnel, cette souplesse de contact, cette émanation d'eux, tout en douceur, tout en gentillesse, tout en souplesse, tout sans aspérité relationnelle. Il n'y a pas d'ego avec un ascendant balance, on est dans un signe d'air. Dans un signe d'air, il y a très peu d'ego, on n'est pas dans les signes de feu. Il y a une maîtrise de Vénus, donc de rondeur, de charme, de souplesse. Air plus Vénus, mais ça paye à mort. Un ascendant balance qui rentre dans un groupe, il y a 10 personnes, il connaît pas le groupe est soudé, il va arriver sans ego, sur une oreille à l'autre, tout en discrétion, en humilité, en gentillesse, il va être copté instantanément. Paf! Merveilleux. Le deuxième qui porte chance,
L'ascendant Sagittaire. Pourquoi l'ascendant Sagittaire? Alors, ils sont à peu près équivalents. Hein. Il y a Balance, donc Sagittaire. Allez, on va dire numéro 2. Pourquoi? Parce qu'il incarne cette logique d'être dans les clous. Être dans les clous, qu'est-ce que c'est? C'est respecter les règles, être très attaché à être bien élevé, très attaché à respecter les rituels, les fonctionnements des autres, de ne pas occuper trop l'espace, et à partir de cette base-là, envoyer de la chaleur, envoyer de l'optimisme, envoyer du positif. Or, on sait structurellement que lorsqu'on est confronté à quelqu'un qui vous raconte des horreurs parce que la vie est dure, que c'est triste, on a tous qu'une envie, c'est se carapater parce que c'est insupportable. En revanche, quelqu'un qui voit le bon côté des choses, qui est chaleureux, qui est positif, qui est bienveillant, qui vous encourage, on n'a qu'une envie, c'est s'en rapprocher parce qu'on met en place naturellement, c'est un signe de bonne santé psychique, on met en place naturellement des spirales vertueuses qui consistent à voir le bon côté. Voilà, donc l'ascendant Sagittaire qui incarne ça, c'est un truc, c'est un concentré de chance dans la vie. Voilà, c'est dit. Après, le troisième, c'est l'ascendant Poisson. Pourquoi l'ascendant Poisson? Parce qu'on a encore du Jupiter, on a encore du positif, on a du Neptune et de la Vénus. Là, il me fait la totale, celui-là. C'est-à-dire qu'il a cette empathie, cette douceur, cette délicatesse, cette gentillesse, cet accès facile, sans égo surdimensionné, tout en souplesse, tout en émotion, tout en eau, qui fait que c'est un truc qui ouvre toutes les portes. Voilà, c'est dit. Hein. Voilà les vénards, les gagnants. Après, vous en avez d'autres qui sont pas malheureux. Le lion, je l'aime bien parce qu'il est très attaché à donner une bonne image de lui-même. J'aime bien l'ascendant Gémeaux parce qu'au bout de 5 minutes, tout le monde lui raconte sa vie parce qu'il est tellement curieux dès le premier contact qu'on va vers lui. J'aime aussi beaucoup l'ascendant Vierge parce que c'est le côté bon élève, je suis sérieux, j'écoute ce qu'on me dit, je respecte les consignes, etc. J'aime bien l'ascendant Verseau qui a un ascendant très facile parce qu'il a ce côté uranien un peu original, sens de l'amitié, sens du contact, voilà. L'ascendant taureau n'est pas désagréable non plus, parce qu'on va projeter de soi, parfois une image un peu têtue, mais dans tous les cas, une image posée, douce et sympa. Ben, il nous manque plus que qui, il manque plus l'ascendant cancer, c'est le grand timide, l'ascendant cancer. Je m'amuse à chaque fois que j'ai quelqu'un en rendez-vous et qui a un ascendant cancer, je peux pas m'empêcher de poser la question, c'est lorsque vous étiez petit, est-ce qu'il n'y avait pas? Vous n'avez pas tendance à rougir lorsqu'on vous faisait un compliment, qu'on vous faisait une gentillesse, ça vous mettait mal à l'aise en public, vous n'avez pas tendance un peu à rougir. Et dans l'essentiel des cas, on dit, ouais, puis même ça m'arrive maintenant, j'ai 40 ans, 50 ans, si on m'envoie de l'affectif dans le cadre, en public, ça me gêne, je ne suis pas à l'aise, j'ai gardé ce côté timide, c'est tout à fait délicieux et touchant. Voilà. Après, il y a les ascendants qui doivent bosser sur eux-mêmes. Quels sont-ils? Ce sont les ascendants gouvernés par Mars. L'ascendant Bélier a un côté, parfois, très chaleureux, c'est vrai, mais en même temps, coup de coude, poussez-vous de la guillemette, pof. Donc ce côté frontal fait que ça peut agacer les groupes. Il faut qu'ils aient conscience de ça, les ascendants gouvernés par Mars. Après, le deuxième, c'est l'ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion, c'est complètement binaire. C'est un intuitif pur, gouverné par Mars et Pluton. Donc, en gros, il sent l'interlocuteur à 100 mètres. Il vous voit venir à 100 mètres, il est là, il repère. Si vous êtes quelqu'un, s'il tombe sur quelqu'un qui fait des grands mouvements brutaux, qui parle très fort, en gros, qui manifeste des paramètres ayant pour effet de prévenir qu'il risque d'y avoir un affrontement et un rapport de force, mon Scorpion, qui est une bête de guerre, il se cale en défensive et il va vraiment l'avoir dans le collimateur et ça se voit comme le nez au milieu de la figure, on le voit à 100 mètres. Hein. Donc quand il aime bien les gens, mon ascendant Scorpion, il vous aime, mais c'est du 100%, et s'il ne peut pas vous blairer, c'est jusqu'à son dernier souffle. Il faut avoir ça en tête. Hein. Donc, vous pouvez essayer de ne pas trop lui déplaire. Et puis, il y a l'ascendant Capricorne qui, lui, a besoin d'un temps de réponse un peu froid. Donc il peut être perçu comme hautain. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de prendre de la distance pour pas se faire envahir. Et en fait, il peut aussi être assez tranchant et froid. Donc, il gagnerait à essayer de déjouer un peu le truc pour être un peu plus chaleureux, pour pas qu'on projette cette image froide et défensive, comme du dédain, comme de la hauteur, comme de la retenue, plus que ça, même du rejet. Voilà, j'étais un petit tour sur les ascendants. Donc, vous l'avez bien compris, plus vous allez travailler sur votre ascendant pour en projeter une image douce, sympa, positive, agréable, sans égo, et plus vous allez rentrer dans tous les systèmes. C'est important, l'ascendant. Voilà, petit tour, comme ça.
Alors, est-ce que ces qualités que tu viens de nous exposer, est-ce qu'elles ont la même puissance, la même importance pour un même signe d'une année à l'autre ou est-ce que c'est minime? Alors, très bonne question, je te remercie de l'avoir posée encore une fois, non, super question. Ça change du tout au tout d'une année sur l'autre. Il faut vraiment avoir en tête que les planètes, elles évoluent à des vitesses différentes. Et que, par exemple, vous prenez un taureau né le 1er mai, je vais changer du bélier, parce que j'aime bien prendre le bélier, parce que c'est le premier, toujours pareil. On va prendre un taureau, tiens. Un taureau né le 1er mai, et ben, l'année suivante, toutes les planètes auront changé, sauf le soleil. Mais pourquoi sauf le soleil? Parce que notre calendrier est construit à partir du cycle que nous réalisons autour du soleil. 365 jours, un quart. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une année bissextile. Donc, tous les ans, le soleil revient à quelques secondes près. En fait, il revient tous les 33 ans au même endroit, mais ça, c'est des subtilités mécaniques du temps universel et de décalage. Mais globalement, tous les ans, à un degré près, le soleil est au même endroit. C'est le seul qui revient au même endroit. La Lune, elle bouge tout le temps, Mercure, Vénus, tout ça, ça aura changé dans tous les coins. Après, plus elles sont lentes, plus elles vont prendre du temps à bouger, mais il n'y aura plus rien à voir d'une année sur l'autre. Plus rien du tout à retenir. Alors, on pourrait peut-être regarder également du côté des circonstances, extérieures. Est-ce que, par exemple, j'ai quelques exemples là en tête, est-ce que, par exemple, l'éducation peut interférer sur les signes, peut prendre une plus grande importance que le signe? Oh, c'est clair, mais c'est même central. Pour moi, il y a trois tiers. Il y a autant de paramètres qu'on peut les imaginer, ils sont nombreux, ils sont multifactoriels, il y en a des milliers, mais dans mon esprit, il y en a 300. Il y a le thème, le conditionnement, l'empreinte du ciel quand on est né, c'est un tiers. Il y a l'éducation, la structure éducative dans laquelle on évolue vous incite à développer tel ou tel talent. Par exemple, si vous avez des parents très feu, très 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 feu, très puissants, hein, et que vous avez un enfant, je sais pas, une petite vierge qui est une petite souris, ou un petit verseau qui est un petit timide, il est évident que l'enfant va avoir un mal de chien, à jouer des coudes pour trouver de l'espace devant deux grands chênes qui occupent toute la surface. Donc ça restera une petite souris qui va se sentir étouffée et qui va être complètement tout triquiqui, quoi. Hein, il va passer derrière les papiers peints sans les décoller, quoi, parce qu'il ne voudra pas de problème. Hein. Et puis, si à l'inverse, vous avez des parents très doux, hein, des parents cancer, poisson, balance, des profils vraiment, vraiment, vraiment des gentils dans la vie, des zen, quoi, au niveau de la maison. Et que vous faites un enfant, un mélange de bélier, de scorpion, de capricorne et de lion, hein, en prime. Alors là, s'il y a du lion en prime, ça bouffe tout, là. Eh ben, vous mettez un mélange comme ça, en place. Il est évident que le môme, il va être un petit roi, il va prendre l'ascendant, il va donner le ton. Et le problème qui va se poser, c'est une fois confronté au monde extérieur, quand il va réaliser que le monde extérieur, qui est mon troisième tiers, n'est pas aussi docile que tout ce qu'il a reçu comme écho depuis qu'il est tout petit, on risque d'avoir une confrontation assez problématique. Mais ça, c'est dans le transgénérationnel, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, on peut en parler pendant des heures. Bref, il y a ces trois données comme un fromage en trois parties, hein, une pizza en trois parts, quoi. Hein. Il y a le thème, il y a l'enfance, l'environnement éducatif, et il y a l'expérience qu'on va avoir tout au long de sa vie. Hein. Bien évidemment, l'endroit où on est, il y a des chansons formidables comme ça. Hein. Le Maxime Le Forestier nous en a fait une merveilleuse, on ne va pas la chanter tout de suite, hein, j'ai pitié, je ne sais pas chanter. Mais voilà, c'est ça le principe. Il y a trois tiers. OK. Alors, est-ce que, par exemple, l'environnement aussi peut modifier le comportement, comme, par exemple, quelqu'un de très sage chez lui et débordant d'énergie à l'école, ou quelqu'un de réservé en famille et qui serait plein d'humour avec ses collègues? Alors, oui, et ça se paramètre aussi. Ceux qui commencent à faire de l'astro avec moi, ils s'en rendent compte, parce que je leur apprends à travailler sur les trois paramètres. Parce que vous avez la vie extérieure, en surface, hein. Imaginons un ascendant Gémeaux. Un ascendant Gémeaux, c'est un clown, quoi. C'est quelqu'un qui communique avec tout le monde, qui a les yeux qui vont dans tous les coins, qui est curieux comme une vieille chèvre, il pose 50 questions, il bouge, voilà. Et imaginez que son soleil, je sais pas moi, soit en poisson, hein, donc quelqu'un de beaucoup plus pondéré dans le ressenti, etc., et qu'il est, par exemple, une lune en vierge. Donc à la maison, ça va être sage comme une image, dans les objectifs, il va être un peu nébuleux, et quand il est en vie extérieure, il va être un vrai clown.
Donc on va effectivement, et on peut prendre le schéma inverse. Imaginons un ascendant vierge, c'est le bon élève, c'est le premier de la classe. Voilà, il est à l'écoute, il est devant, il dit oui monsieur, oui madame, je comprends, j'écoute. Le rêve, quoi. Hein, bon. Et derrière ça, vous me mettez, un soleil en scorpion. Donc derrière, c'est l'effet sage. Si on vient lui casser les pieds, il va remonter les manches et il va coller des bons pifs à tout ce qui lui casse les pieds. Et puis à la maison, vous lui mettez une lune en gémeaux. C'est un vrai clown. Il va avoir toujours toute la vie des trucs à raconter. Il rentre, il sort, il va être en mouvement permanent. Mais ce même-là, vous lui mettez, une lune capricorne, il risque d'être prendre très au sérieux tout ce qui vient des parents, tout ce qui a registre, ressort, lien avec l'autorité. Et du coup, ça peut donner un facteur d'inhibition d'une extrême densité. Faire très gaffe avec les enfants qui ont des lunes saturnisées. Hein, la lune, c'est l'enfance, Saturne, c'est des rigueurs. Si on appuie trop dans les contraintes avec un enfant qui a une lune saturnisée, on va engendrer chez lui des mécanismes de blocage et de frustration que je vous garde pour une autre vidéo parce que ce sujet-là, il est tout particulièrement passionnant. Voilà, c'est dit. Alors encore un petit dernier exemple. Est-ce que le signe peut influencer, par exemple, des choix de travail? Par exemple, quelqu'un qui choisirait plutôt de travailler dans une petite entreprise ou au contraire dans une grosse entreprise? Alors, on a fait une étude. J'avais fait un article avec une société qui appartient au Figaro, qui s'appelle One Square. Ils font de l'information économique et financière. Et ils m'avaient sollicité pour faire un article sur les patrons du CAC 40 et les signes. Et en fait, on était tombé sur des trucs. Ils avaient fait, eux, des stats et on avait recherché ce que ça avait donné. Puis j'avais pondu un truc derrière. Et en gros, ce qui sortait de tous les grands patrons, c'était 3 signes. Et puis, parfois un peu inattendu, vous serez juge, les 3 signes dominants, mais vraiment dominants parmi les patrons du CAC 40, c'était des béliers, hein, ça ne nous surprend pas, c'était des scorpions, hein, non plus finalement, et c'était des balances. Ah ouais, l'art du compromis, hein, l'art de trouver des formules heureuses, l'art de survivre là où les autres se prennent des coups de fusil. Bref, c'était les 3 signes qui sortaient du lot parmi les grands patrons. C'est sorti comme ça. Donc, il y a ça comme information sur les grands axes. Et puis, bien évidemment, vous doutez bien que quand il y a du feu, par exemple, un Sagittaire ou un Verseau ou des mélanges comme ça, ils vont avoir du mal à rester derrière un bureau. Vous doutez bien que on a en tête des aventuriers de l'Arche perdue. Hein, quand je parle de Sagittaire, je pense immédiatement à Indiana Jones, hein, qui est fait pour aller dans la forêt vierge, ou qui est fait pour emmener des groupes de voyage, ou qui est fait pour se déplacer, ou pour aller voir des commerçants, ou pour naviguer, quoi, pour bouger en permanence. Hein. À l'inverse, il y a des profils qui ont besoin énormément de communiquer. Des Gémeaux, ça vous donne des gens qui vous vendraient n'importe quoi, du sable au Sahara et puis des réfrigérateurs au pôle Nord. Gémeaux, ils sont exceptionnellement bons pour devenir des bons vendeurs. Hein. Trop intelligents pour être honnêtes, dit-on. Mais bon, c'est une blague. Mais il y a des métiers comme ça. Les Béliers, ils sont faits pour être chefs. Voilà, c'est comme ça. Les Lions aussi. Hein. Les Taureaux, ils sont faits pour, quitte à ce qu'ils remontent les manches, ils peuvent être exceptionnellement courageux, mais leurs visées, elles sont concrètes, pratiques. Donc les métiers de la finance, de l'immobilier, on va les trouver facilement. Les Cancers, ils sont assez capables de faire beaucoup de choses, mais plutôt sédentaires, et pour eux, le paramètre numéro 1 au niveau professionnel, c'est d'être dans un contexte où, dans la vie de tous les jours, il y a le moins de rapports de force possible. Ça va être un enjeu majeur. Hein. Chez la Vierge, c'est bête, hein, moi je suis de la Vierge, mais on adore nos rituels, on adore nos habitudes. C'est mon truc. Quoi. Si je suis calé dans mes repères, dans mes rituels, je suis 100% synchronisé dans ce qui se passe et 100% concentré dans le truc. Si on commence à me perturber, à me déranger, machin, me perds. Voilà. Donc la Vierge est très rituelique. D'ailleurs, la Vierge, on dit que c'est la Suisse, quoi. Hein, on aime bien la rigueur, la propreté. On aime bien quand c'est propre. Quand même, c'est notre truc. On aime bien tout ce qui est carré, tout ce qui est simple, tout ce qui est pratique. Voilà. Donc ça peut donner pas les boulots les plus fun. Hein. On peut être des bons comptables, remarquez. Mais ça, c'est pas ce qui fait vraiment le truc le plus sexy qui existe. Mais on peut faire ça. Tout ce qui est organisation, tout ce qui est structure, tout ce qui est mise en place, tout ce qui est cadrage, tout ce qui est organisation, on est bon. Voilà. C'est comme ça. Plus que la moyenne. Bon.
En revanche, il y a des terrains sur lesquels on est moins à l'aise. Dans le domaine esthétique, par exemple, hein, tout ce qui est vénusien, les balances, les taureaux, aussi les poissons, tout ce qui est la beauté, l'art, les galeries d'art, des choses comme ça, beaucoup de balances, beaucoup de gens qui ont du goût, en fait, le raffinement, l'esthétisme. Après, il y a les métiers qui demandent du courage. Je dirais pompiers, policiers, des trucs très durs, quoi. Hein. Je pense vulcanologue, je pense à Rountaziev qui était scorpion. Vous voyez, des trucs comme ça, des métiers très durs à la tâche, hein, militaire. On est beaucoup dans les scorpions, là. Scorpions et les capricornes aussi, des profils qui sont faits pour en baver un peu. Ça leur fait pas peur. Ils vont dans la contrainte sans difficulté. Hein, les aventuriers, les découvreurs de talents, les mécènes, quand ils en ont les moyens, il y en a de moins en moins, les sagittaires, les verseaux, vous l'avez compris, tous les métiers qui sortent de l'ordinaire, tout ce que les autres font pas parce qu'ils n'y ont pas encore pensé, ou tout ce qui... J'en ai connu un récemment, un type formidable, il habitait à Madrid et il faisait un job par Internet, un truc à l'autre bout du monde, c'est improbable, le type est et le verseau pur, quoi. Il fait un truc original, d'avant-garde, complètement novateur et loin, pile dans son profil. Et puis les poissons, ça donne des poètes, ça donne des profils qui sont dans l'humain, dans le médical, dans cette capacité à être utile aux autres, voilà, qui s'occupent des personnes âgées, des chiens écrasés aussi, ça arrive souvent. Ça, c'est très poisson. Voilà les métiers un peu par profession. La liste est loin d'être exhaustive, mais très globalement, ça vous donne une trame, une idée. Il n'y a pas d'idée arrêtée non plus, mais c'est un courant, c'est dit. Voilà, très survolé, j'en conviens. Alors, je te propose, Jean-Yves, maintenant de prendre quelques qualités défauts et de voir s'ils correspondent à certains signes plus particulièrement. Par exemple, existe-t-il des signes plus impatients ? Ah, l'impatient. Alors, par principe, qui va être impatient ? Les plus impatients sont les signes de printemps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une visibilité sur l'objectif qui, très globalement, est du court terme. Hein, c'est la puissance du printemps, on fonce. Donc, tout ce qui est bélier, taureau, paradoxalement, un taureau peut être très impatient, très endurant, très déterminé, très têtu, mais en même temps très impatient. Dès qu'il est en variation avec ses émotions, la lune qui gouverne, il devient terrible. Donc bélier, taureau, gémeaux, impatient, et qui mon sagittaire, hein, on l'attendait pas celui-là, hein. Mon sagittaire, il part des colères d'impatience, mais redoutable. Mais le number one au niveau des impatients, c'est mon bélier. Lui, il est champion du monde toute catégorie. Voilà, impatient, pour moi, c'est bélier. Hein. C'est dit. Un deuxième, possessif. Waouh, là on est dans l'axe taureau-scorpion. La possession, l'avoir, la maison 2, la maison 8, les sous, les héritages, l'argent, le posséder, le goûter, la miam miam. C'est taureau le possessif. Ça saute aux yeux. Sont les plus possessifs de tous. Il y en aurait d'autres, mais ils ont la prime. Dispersés. Ah, les dispersés. Alors, il y a plusieurs façons d'être dispersé. Il y a parce que il y a 10 idées à la minute, ça c'est le Gémeaux. Et puis il y a parce que l'esprit part dans tous les sens en matière de réceptivité d'informations. Et les dispersés, c'est aussi paradoxalement, ça peut être les Neptuniens. Les Neptuniens, on va trouver des dispersés parce que l'imagination prend le relais sur un quotidien, sur des informations qui sont pas si intéressantes que ça. Donc on va les trouver chez mes Sagittaires, qui ont impatience et ouverture qui partent dans tous les sens, Neptune. Et on a aussi chez les Poissons, parce que l'imagination prend le relais, la sensibilité, derrière ce qui est énoncé, l'esprit part d'informations très riches. Donc, j'ai mes Gémeaux en premier, mes Poissons et mes Sagittaires souvent, et puis mes signes d'eau globalement, parce que l'imagination est plus présente, donc il y a un risque de dispersion. Mes Cancers, qu'est-ce qu'ils peuvent parfois être dispersés? C'est hallucinant, hein. Ils partent sur une idée, et puis ils pensent à une autre, et puis ça vient. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle avec bien de bienveillance, hein, la logique aléatoire. La logique aléatoire, c'est qu'elle change tout le temps. Voilà, c'est dit. Alors, des signes qui seraient plutôt timides. Ah ben oui, là, il y en a des timides. Alors, l'axe timide, c'est l'axe cancer-capricorne. C'est même pas étonnant. Le cancer, on est dans les émotions et dans la retenue. Donc, le signe le plus timide qui existe, c'est le cancer, on le sait. La sensibilité est affleurante.
on se laisse atteindre, on se laisse toucher. C'est pour ça qu'ils se protègent autant. C'est pour ça qu'ils, vous remarquerez généralement, rares sont les cancers qui volent dans les plumes des autres spontanément. Ils attendent une fois, deux fois, dix fois, vingt fois. Quand ils vous tombent dessus, ça fait mal. Mais pendant au moins un certain nombre de fois, ils encaissent, ils essayent prudemment, etc. Il y a une sorte de timidité, de retenue, de doute, d'appréhension d'être dans le combat parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils y vont, hein, mais ils n'aiment pas ça. Vraiment, ils n'aiment pas ça. On y va quand ils sont coincés comme le chat contre le mur. Oui. Alors, égocentrique. Alors, ça, c'est une blague. Il y a deux signes, mais c'est ni bien ni pas bien, parce que de l'égocentrisme va faire naître une volonté de faire avancer, une capacité à encadrer les autres, une disposition naturelle d'esprit à voir large, à voir grand. Hein. Et ben, s'il n'y avait pas des profils égocentriques, il y a 10 fois moins de choses qui se feraient. J'allais dire que tous ceux qui se mettent en lumière ont des égos et des cocos comme ça, mais bien évidemment, si on parle astro, quelque part, il y en a deux qui sortent du lot, j'en ai les yeux qui brillent, tellement je les adore, sont mes lions. Alors là, leur nombril est comme ça, énorme, le lion, c'est le centre du monde, il a tout vu, il sait tout, il a tout compris, les autres sont des cons. Non, pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Les lions, je les adore, quand ils sont dans des bons états d'esprit, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires, vraiment. Mais quand ils sont dans des états primaires, ils peuvent être d'un exceptionnel sans-gêne. Et ils se prennent pour le nombril du monde. Parfois, on en voit, ils roupillent des jours entiers sur le canapé, près de la rivière, et puis ils savent tout, et puis ils se lèvent de temps en temps pour aller boulotter un truc, pour aller se balader, et puis ils reviennent, et puis ils vous apprennent la vie, quoi. Je les adore, ceux-là, ils me font marrer. Voilà, c'est le lion. C'est comme ça, c'est avec. Mais ils ont leur charme. En revanche, quand ils sont bons, ils sont meilleurs que tous les autres réunis. Regardez Napoléon. Alors, il a fait des dégâts, mais cette capacité de vision globale, elle est tout à fait exceptionnelle. C'est la force de l'égocentrique, la force du lion. C'est que lorsqu'il a cette capacité à se nourrir avec les bons outils, il devient exceptionnel, tout simplement. Voilà. Mais ils sont rares. Hein. Croyez-moi, ils sont extrêmement rares. Mais quand ils le sont, hein, des pures merveilles. L'égocentrisme, c'est le lion et le bélier. Alors là, c'est les deux plus marqués par l'égocentre et le coco comme ça. C'est dit. Le routinier, est-ce qu'il y a un signe qui irait plutôt vers les routiniers ? Ah, les routiniers. Ah, il y en a plusieurs. Alors, ceux qui aiment bien la routine, il y en a deux, mais c'est une caricature, je me rigole de moi-même, mais bon. Il y a le cancer, je les appelle la tisane et les chaussons. Alors, si vous voulez quelqu'un de plan-plan à la maison, prenez-vous un cancer, vous serez pas déçu, quoi. Vous le posez dans son canapé avec sa tisane, ses chaussons, ses habitudes. Dans 20 ans, il est toujours là. C'est du bonheur dans la série fiabilité. Vous êtes sûr qu'il ira pas galoper à droite à gauche. Une fois qu'il est plan-plan, que le ventre est plein et que le reste est tranquille, vous n'aurez pas de souci avec mon cancer. Et puis, le plus routinier de tous, mais vous l'avez en face de vous. Moi, j'adore. Je suis la Vierge. C'est terrible. La Vierge est excellent pour s'adapter, mais quand la Vierge a goûté un truc dans lequel il est bien, eh ben, il en dérive, il n'y arrive plus d'un millimètre. Et il peut reproduire 10 000 fois le même geste, faire 10 000 fois le même truc. C'est la Vierge, les montres, la Vierge, c'est la Suisse. La Suisse, c'est les montres suisses. C'est l'horloge suisse, quoi. Une fois qu'on est calé dans nos rituels, une fois qu'on a goûté un truc miam miam et qu'on se dit non, là, ça va être compliqué d'aller voir là, ça va être compliqué de changer, va être casse-pied, en plus, ça risque d'être moins bien. Il y a 9 chances sur 10 que ça soit moins bien. L'herbe, elle est plus verte chez nous. Ça, c'est un truc de vierge. Voilà. Donc, cancer vierge, c'est les plus routiniers qui existent. C'est dit. Alors, est-ce qu'il y aurait des signes indécis ? Des signes indécis, c'est partout où vous allez avoir une condition solaire floue. Je reprends ma parabole tout à l'heure de on remonte 2-3 millions d'années en arrière et le matin, on va à la chasse. Quels sont les paramètres qui peuvent créer de l'indécision ? Le premier des paramètres qui va créer de l'indécision, c'est le brouillard. Le brouillard, il est incarné par Neptune. Qui gouverne ? Quels sont les signes gouvernés par Neptune ? Il y en a un plus que les autres, c'est le poisson. Donc si en face de vous, quand vous partez à la chasse le matin, vous avez une zone de brouillard, c'est-à-dire une zone de flou, ça va créer de l'indécision. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Alors être utile, ils sont merveilleux pour être utiles, mes poissons. Mais si on est en dehors, parfois il y a du flou, il y a de l'indécision. Je fais ci, je fais ça, etc. Après, bien évidemment, l'indécision, la bonne blague, j'en rigole à chaque fois, emmener un ami balance au restaurant, ou choisir un film, ou choisir un bouquin, ou choisir un vêtement, essayez, tiens.
Hein, je vous mets au défi. Hein, si vous connaissez quelqu'un de la balance, allez acheter une fringue avec, hein, une chemise, une veste, une jupe. On en reparle 3 heures plus tard. Non, je plaisante, mais il y a un peu de ça quand même. Donc la balance, l'indécision, elle est proverbiale, quoi, on en rigole tous, avec bienveillance, parce qu'on les aime, nos balances. Mais il n'empêche que l'indécision, ce sont eux qui l'ont inventée. Soyons lucides. Voilà. Un signe passionné. Ah, les passionnés. La passion, c'est Mars, le désir. Et où est-ce que Mars est très fort? Mars est fort en Bélier, Mars est fort en Capricorne, hein, même si c'est le feu sous la glace, le Capricorne est un passionné, passionné. Mais grand Dieu, faut qu'il s'autorise à ce que ça sorte. Mais surtout, le plus passionné de tous, c'est le Scorpion. Le Scorpion, surtout, ceux qui font de l'astro, vous le verrez, quand Mars, la planète de l'action, est en Scorpion, on dit qu'ils mettent une passion concentrée dans toute action. Oui, c'est intéressant d'aller creuser un peu comme ça, parce qu'on pioche des trucs, et du coup, c'est super utile, parce qu'on a des saillies extrêmement précises, quand on a repéré où est une planète, etc., c'est ce que j'apprends, pour ceux que ça intéresse, hein, voilà. Donc, mais Mars-Scorpion, c'est passion concentrée dans toute action, et Mars-Scorpion, on dit même, il est plus simple de couper la main que d'essayer de leur faire lâcher la prise, ça vous donne une idée du truc, quoi. Il y a beaucoup de résistants qui avaient ça pendant la Seconde Guerre mondiale dans son Scorpion. Donc, les Scorpions, c'est la passion. C'est le concentré de passion. Tout ce qui touche, ils le font avec 100% de leur être ou ils ne le font pas. C'est très clair, c'est très binaire. Hein. Voilà, Scorpion, c'est ça, passion, qui peut détruire. Alors, encore un autre idéaliste. Ah, les idéalistes, il y en a plusieurs. L'idéalisme, c'est un délicieux mélange, l'idéalisme. C'est un mixte, en fait, entre un concept de visée dans l'absolu, mais qui peut être déconnectable des réalités et qui reste cependant une visée suffisamment motivable pour qu'on y injecte de l'énergie. C'est une construction un petit peu finaux de l'idéalisme. Celui qui incarne le mieux l'idéalisme, celui qui réunit toutes les conditions, c'est le Sagittaire. Mais j'en trouve aussi chez les poissons, parce que vous remarquerez qu'il y a un jeu entre le Sagittaire et le poisson, c'est qu'ils ont les mêmes planètes maîtresses, à l'exception de Vénus, Jupiter et Neptune pour le Sagittaire, Neptune et Jupiter pour le poisson. Alors, il y en a un dans un premier temps qui idéaliste et qui rêve un petit peu, et le poisson qui rêve un peu plus, mais qui idéaliste aussi avec plein d'optimisme en dessous. Donc, dans ces deux cas-là, mais le gagnant, la palme numéro un de l'idéalisme, pour moi, c'est le Sagittaire. Il n'y a pas de doute sur la question. Alors, un signe ambitieux. Il y a plusieurs types d'ambition. Il y a l'ambition d'être le premier chez le bélier, d'être le plus riche chez le taureau, le plus intelligent chez le gémeau, le plus affectueux et le meilleur parent chez le cancer, d'être le roi des rois et le plus beau qu'on regarde partout où on se retourne sur son passage du lion, d'être le plus structuré et le plus organisé et le plus intelligent sur le plan pratique, la Vierge, d'être le plus charmeur et le plus aimant chez la Balance, d'être le plus grand guerrier de tous les temps chez le Scorpion, d'être le premier à découvrir le 15e continent s'il en était chez le Sagittaire, et puis celui qui veut et qui est le plus ambitieux de tous, c'est l'ambition la plus froide, c'est le Capricorne. Vision à long terme, froid, sec, c'est l'hiver, le pouvoir, sur langue échéance, c'est le Capricorne. Le Verseau, son ambition, c'est que d'être libre et de refaire le monde. Et chez le Poisson, c'est d'accueillir tous les chiens écrasés pour les nourrir, quoi. Voilà, chacun son ambition. Mais si on raisonne d'ambition sous forme de pouvoir, de tenir, c'est le Capricorne. Il n'y a pas de doute sur la question. Alors, est-ce qu'il y aurait des signes indépendants? Indépendant, il y en a plusieurs. Tous les signes volontaires ne veulent pas de fil à la patte. Donc, mais celui qui gagne la palme, il y a un axe chez les indépendants. C'est l'axe Lion-Verseau. Le lion, il a la nuance, à la subtilité du Verseau, c'est que le lion risque d'être prisonnier, tributaire de son appartenance statutaire. C'est-à-dire que comme il veut jouer un rôle sur un plan social, mon lion, c'est un solaire, il veut les médailles, quoi. Il veut moi, le plus beau, hein. Il risque d'avoir cette contrainte pour son indépendance, pour son autonomie, pour sa liberté. En revanche, le Verseau, lui, a tout de suite compris que pour créer de l'indépendance, de l'originalité, de la liberté, etc., il fallait qu'on débranche. On débranche sur l'ego,
sur les signes de feu. On débranche sur les signes de terre, qui sont les trucs qui nous paralysent. Hein. Si on est scotché près de sa cassette, il y a une anecdote comme ça, je ne sais plus qui l'a écrit, mais quand j'étais ado, j'avais lu ça. Et ben, on est coincé, on est enferré. Il lâche prise sur l'ego et sur la matière pour être libre, indépendant, créatif, novateur, pour qu'on lui foute la paix. C'est dit. Et un petit dernier, un signe imaginatif. Ah, il y en a plusieurs. C'est le lot des signes d'eau, par principe. Parce que l'imagination, il y a un mix d'émotions, un mix de ressentis, un mix d'abstractions qui passent par le filtre de nos sens. L'imagination est un délicieux mélange, j'en oublie en grand et en toutes les parties, enfin une bonne partie, mais dans tous les cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup d'imagination chez mes signes d'eau, chez mes cancers, chez mes scorpions, mais celui qui, bien évidemment, remporte la palme, vous l'avez deviné, c'est mes poissons, sont mes poissons. L'imagination au pouvoir. Beaucoup d'humanistes. Voilà. Alors Jean-Yves, tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'informations sur toutes ces qualités et défauts de chacun de ces signes. Alors, à titre individuel, en quoi finalement ça peut être intéressant pour soi de connaître finalement ses qualités, ses défauts ? Parce que alors, les connaître c'est bien, mais finalement à quoi elles peuvent servir ? En fait, quand on s'intéresse un tout petit peu plus à l'astrologie, les qualités, les défauts, on va réaliser qu'en fait c'est pas uniquement le signe solaire. Ça va être un mélange, c'est pour ça que faut le voir de façon un peu plus structurée, un peu plus construite. Faut voir que un ascendant va donner une image plus ou moins en harmonie avec son job, c'est ça l'idée. Qu'un soleil va donner une image plus ou moins en harmonie, pareil, avec sa fonction. Et la lune, idem. À chaque fois, il faut me prendre en compte ces trois paramètres-là. Et le truc devient, on se le fait assez vite en fait. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'un bélier, si vous lui donnez déjà de l'énergie, mais en même temps, si vous lui fluidifiez le lien social avec un ascendant qui va bien, mon bélier, il va garder ce côté volontaire, mais il va acquérir au passage l'énergie qui va avec et le savoir-faire relationnel pour que ça se passe sans les aspérités. Donc, il va foncer tout chousse. Donc, c'est comprendre cette cohérence-là. Parce que du coup, mon bélier positif, c'est extraordinaire un bélier positif parce que ce sont des moteurs exceptionnels, ce sont des tempéraments qui sont faits pour aller de l'avant, ce sont des locomotives qui entraînent le groupe, ils sont absolument formidables. En revanche, un bélier contrarié, c'est pas la même histoire, c'est un combatif. Moi j'en ai vu hein, avec des Mars pas terribles, avec des thèmes compliqués, des Saturnes qui leur tombent dessus, ils veulent être moteurs mais ils sont tellement contrariés qu'une histoire difficile, des thèmes... On a des pas beaux, hein, le destin il est super injuste, et ce sont des profils qui du coup sont sur Terre pour pourrir la vie de tous les autres. Et ça c'est redoutable, hein, parce que ce sont des attaquants qui ont des outils un peu cassés, quoi, donc c'est compliqué. Pareil pour mes taureaux bien équipés sont des profils qui sont des modèles de gentillesse, de douceur, de bienveillance, d'affection, des parents extraordinaires, de chaleur, des profils qui sont capables, lorsqu'ils voient un peu plus loin que le bout de leur nez, d'être des constructeurs, quoi, qui construisent des choses stables dans l'amour, dans la bienveillance, dans la durée, voilà. Et puis quand ils sont mal disposés, moi j'en ai connu une il y a quelque temps, c'était une taureau avec, ça se sent dans mon analyse du taureau, je suis désolé, c'est un peu filtré, mais elle avait les valeurs taureaux qui étaient complètement à l'envers. Elle pensait qu'il y a une chose dans la vie, c'était claquer du pognon, même si c'était pas le sien, ça dérangeait pas. Et puis elle aurait fait toutes les poches de tout ce qui bougeait. Et puis dès qu'il y avait un pantalon qui passait à sa portée, elle cherchait. C'était une horreur, quoi. J'ai jamais vu une caricature de taureau comme ça. Alors que dans l'essentiel, ce sont des signes qui sont tout à fait adorables, mais on croise de tout. Voilà, c'est comme ça. Les Gémeaux, c'est pareil. Ils sont d'une intelligence remarquable. Je reprends Idriss Aberkane, mais il y en a de nombreux. La liste est trop longue, quoi. Pour moi, l'intelligence, c'est Gémeaux, l'intelligence rapide. Hein, c'est John Fitzgerald Kennedy. C'est Trump aussi avec ses gaffes, mais n'empêche qu'il est pas si ballot. S'il arrivait là, c'est que c'était pas le dernier de la classe non plus. Voilà. Donc il y a tout ça qui coexiste. Hein. Mais les Gémeaux, quand ils sont mal cadrés, ils sont des vendeurs de tapis, ils sont des galopeurs finis, ils sont capables de courir après tous les jupons qui passent quand ils sont jeunes. Mais j'ai vu des catastrophes, quoi. Les types, ils ont deux gros cerveaux, quoi, mais pas au bon endroit. Donc c'est redoutable, ce qu'ils sont épouvantables. Voilà. Et puis j'en ai eu en réunion, ils
racontent leur vie, leur, tout son contraire. Enfin, bref, incroyable s'ils veulent être dispersés. Mais quand ils sont bien canalisés, ah là là, quel concentré d'intelligence. C'est dit. Après, j'ai mes cancers. Mes cancers, c'est pareil. C'est des mamours, des parents extraordinaires, formidables. Ils peuvent être d'une chaleur, d'une bienveillance, d'une abnégation. Ce sont des pélicans pour leurs enfants. Ils donneraient leur chemise. Ils sont à l'écoute. Ils sont pleins d'empathie. Un cancer qui a des bons outils, je vous en ai donné à l'avant-goût, mais ça se paramètre. C'est facile. Une fois que vous avez pigé le truc, ça roule tout seul. Il faut vraiment s'y mettre un petit peu, puis on comprend très vite, en fait. Un bon cancer, c'est un amour. C'est un signe que j'adore. En revanche, quand ils sont mal lunés, c'est le cas de le dire, hein, eh ben, mes cancers, ils deviennent capricieux, caractériel, agressif, violent, incontrôlable, ils font n'importe quoi, ils peuvent être des brutes épaisses, hein. Vraiment, rien qui les arrête. Problème d'équilibre réel, hein. Après, j'ai mes lions, un lion, un beau lion, oh, qu'est-ce que c'est beau, un beau lion, oh. Ce sont des profils qu'on admire, hein. Ce sont des leaders, hein. Vous connaissez la nuance entre un chef et un leader. Un chef, il donne un ordre. Le leader, il donne un ordre, mais on l'aime en plus. Le lion, il est capable d'être ça. Il est capable d'être cette merveille-là. Mais quand il n'est pas cette merveille-là, jamais sur cette terre, je n'ai vu des profils aussi imbus d'eux-mêmes, sans gêne, m'as-tu vu, égoïste. Sont des horreurs, tout ce qui est, comment on appelle ça, les pervers narcissiques. C'est le lion qui l'a inventé, ça, le pervers narcissique. Faire comprendre aux autres qu'ils ont tort pour les bouffer, pour les inférioriser. Le lion, c'est la pire chose sur cette terre qu'on n'ait jamais vue quand ils sont mal équipés, alors qu'ils peuvent être aussi beaux et merveilleux qu'ils peuvent être terribles, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Hein, la Vierge, c'est pareil, ça peut donner des gens qui sont dans l'axe poisson vierge, donc la gentillesse, l'envie de bien faire, la simplicité, mais en même temps, ça donne des profils qui sont complètement inquiets, complètement sans arrêt stressés, qui peuvent être, comment on appelle ça, ceux qui sont toujours malades, qui ont toujours un bobo quelque part. J'en ai vu des vierges comme ça, c'est redoutable. On leur dit, ils sont en bonne santé, ils disent non, je te crois pas. Donc ils sont terribles, ils se perdent dans le détail, et puis ils sont casse-pieds parce qu'il y a un truc là, il y a un poil de travers. Moi, j'ai eu une chef au niveau boulot qui est vierge, oh la vache, elle m'appelait à 11h du soir pour me dire, dis donc, là, le signe du Verseau, t'as oublié deux mots, là, à 11h, mais quelle emmerdeuse, il y a des gens qui sont sur Terre pour faire chier les autres, c'est incroyable, voilà, c'est comme ça, hein, mais d'un autre côté, oh là, c'est rien, c'est un truc à moi qui est tombé, c'est pas grave. D'un autre côté, la Vierge, pris dans le bon sens du poil, c'est la gentillesse incarnée, quoi, ils aiment bien rigoler, avec les Gémeaux, on se marre, on a envie de bien faire, on aime bien la simplicité, on prend pas trop de place, en général, les petites souris, donc, voilà. La Balance, pareil, une Balance bien disposée, mais c'est le compagnon exquis, c'est le complément idéal dans la vie, une Balance bien disposée. C'est, ce n'est qu'amour, câlin, gentillesse, bienveillance, compliment, encouragement. Attendez, un partenaire comme ça, ça fait vachement envie quand même, hein. Mais en même temps, ils peuvent être, s'ils sont pas bien aspectés, on va dire, ils peuvent être complètement dépressifs. Et puis c'est une horreur, une Balance dépressive. Oh la vache, hein, y a rien qui va, hein. Et puis vous avez pu lui offrir tout ce que vous voulez, y a rien qui ira. Une fois qu'il a goûté à la dépression, on est mal, hein. Et puis prendre des décisions, c'est un enfer, hein. Et puis se relever les manches, on lui dit ben tu pars en week-end, on va visiter truc, on va visiter machin. Et ma Balance, il vous dit ah ouais. Oh je te dirai ça demain matin. Et puis le lendemain matin, il dort jusqu'à midi. Voilà, donc faites pas deux fois, quoi. Voilà. Mais sinon, on adore ce signe extraordinaire qui, lorsqu'il est bien respecter, encore une fois, d'où l'intérêt d'aller comprendre ce que c'est que le maître du signe solaire et le reste. Comme ça, on le repère assez vite, finalement, quand on pige le truc. Mes balances sont des mamours, quoi. Si vous êtes un peu moteur, vous avez un peu de caractère, vous êtes un peu efficace dans la vie, avec un peu de jus, vous me prenez une balance, elle vous contrariera pas, elle va suivre le mouvement en se disant, mais j'ai trouvé mon moteur, mon complément idéal. Voilà, c'est dit. Et puis, mes scorpions. Un scorpion, quand il vous aime, il pourrait aller se faire trouer la peau pour vous. Tellement il est capable d'être une fidélité, d'une passion pour les êtres qu'il aime. Il va les défendre, mais jusqu'au bout du monde. Il est extraordinaire, le scorpion. Mais quand il vous déteste, oh grand Dieu, quand il vous aime pas,
Oh la vache, il pourrait vous attendre derrière avec un couteau et vous regarder dans les yeux et vous crever en vous plantant ça dans le cœur avec une jouissance en même temps. Il peut être vraiment comme ça, c'est épouvantable ce que je suis en train de raconter. Mais quelque part, voilà, le scorpion, c'est le meilleur, c'est l'ange et le démon, il peut être les deux. Donc évitez de vous faire des ennemis scorpions, c'est un conseil que je vous conseille de suivre pour le coup. Hein? Voilà. Donc les Sagittaires, ce qui est extra avec mes Sagittaires, c'est qu'ils incarnent la joie de vivre, la chaleur, l'expansion, le positivisme, cette capacité à voir le bon côté des choses. Ce que j'aime chez les Sagittaires, c'est qu'ils seraient capables de remonter le moral d'un régiment de dépressifs. Un régiment de dépressifs, ça remontait le moral, c'est quand même un bel enjeu, quoi qu'on en dise. Donc, ils sont extra. Mais quand ils piquent des colères, quand ils grognent, quand ils sont impatients, ils sont ingérables. Ingérables, quoi. Parce qu'ils vont vous tomber sur le coin du poil pour un détail, une bêtise. Et puis, quand ils se mettent à être dans le côté dépensier ou un peu dispendieux, etc., parfois, ils peuvent être assez imprudents aussi. Mais globalement, ils sont cette force de vie qu'on adore. Voilà, Capricorne, je crois que c'est un des sept signes sur cette terre à qui je confie les clés de la bagnole, les clés du compte, les clés du coffre, les clés de tout. Ça vous donne une idée de l'estime dans laquelle je les porte. Mais parfois, quand ils sont pas très bien aspectés, je pense que c'est un le signe qui a inventé la dépression, et je pense que c'est le signe qui prend autant que le scorpion de plaisir à être extraordinairement dur, voire sadique avec les gens qu'ils aiment pas ou les gens qu'ils considèrent comme faibles. Et ça, c'est pas leur plus beau côté. Mais sinon, globalement, vous l'avez vu au départ, j'ai une confiance aveugle lorsqu'ils sont bien disposés, ils sont d'une fiabilité exceptionnelle. Mes Verseaux, respect de la liberté de l'autre, intelligence créative, sens de l'amitié, ils sont extraordinaires. Si ce n'est que faut pas être possessif avec un Verseau. Parce qu'ils ont besoin d'une liberté, vous leur confiez des responsabilités, vous leur confiez un tas de choses, et puis du jour au lendemain, ils peuvent vous claquer entre les doigts. Il y a comme ça tombe, mais c'est complètement impromptu, et hop, ils se barrent, on les voit plus. Donc, il faut avoir cette idée que c'est un oiseau sur la branche, et que du jour au lendemain, il peut se barrer, et on ne le reverra pas. C'est la vie. Et enfin, mes poissons, l'humanisme, le cœur, gros comme ça, penser aux autres, l'empathie, le ressenti, mais quand ils planent, grand Dieu, ils font pas semblant, hein. Waouh! Quand ils planent, ils partent à 10 000 pieds, hein, et puis on les rattrape pas. On a beau les accrocher, hein, oh, ils sont perdus, quoi. Hein, et c'est le triangle des Bermudes. Hein, ouf! Ils sont sur une autre planète. Hein. Voilà, c'est un petit tour. Hein. Bien évidemment, vous vous doutez bien. Hein, j'ai noirci le trait pour vous donner des mnémotechniques, pour vous piger un peu le système. Mais globalement, l'immense majorité de ceux qu'on croise sont des profils qui, dans l'ensemble, ont déjà fait l'objet d'un développement, d'une évolution personnelle qui fait que c'est un pour mille qui tombe dans les travers que j'ai évoqués en soulignant le trait de façon un peu marquée pour vous faire sourire. Mais très globalement, il y a des tendances comme ça. Et retenez bien surtout que c'est une synergie en trois points. Hein, parce qu'on peut être plus ou moins open sur l'extérieur, plus ou moins dans des logiques de réalisation au niveau du conscient, et plus ou moins dans des logiques d'évacuation, de libération des émotions dans la vie de tous les jours. Pigez bien cette histoire de triptyque là, hein. Et bien quand on dit un bélier, ça peut être l'ascendant, ça peut être le soleil, ça peut être la lune, ou ça peut être plein d'autres choses, et que ce complément-là, finalement, il n'est pas compliqué à piger, mais il faut juste s'y mettre quelques minutes, et puis une fois qu'on a compris le truc, on devient redoutablement efficace. Tout le monde peut le prendre le truc. Faut juste apprendre. Alors Jean-Yves, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont à la fois, je pense qu'on a eu un beau panel de toutes les qualités et défauts de chacun des signes. J'espère que je n'ai pas trop chargé. Non, pas trop, je pense pas. Il est 21h39, donc je pense qu'on va bientôt passer aux questions des auditeurs. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la formation, parce qu'effectivement, là, tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'informations. Finalement, on en sait beaucoup. Mais finalement, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que c'est difficile de créer son propre thème ou le thème de ses enfants, de ses amis, etc. Or, justement, une des qualités, je trouve, de ta formation, c'est d'avoir, non pas simplifié, mais d'avoir structuré pour pouvoir faire un thème assez facilement. Alors, l'idée, elle est très simple. L'idée est,
ça fait 30 ans que je vais le refaire parce que le principe, il est toujours le même. Quand j'ai appris l'astro, j'avais un père qui faisait de l'astro, c'est sa passion, et puis il m'a refilé le truc, et puis pour apprendre plus que là-bas, j'ai acheté plein de bouquins et j'ai jamais trouvé le tout en un. Donc j'ai essayé de faire un truc simple et pratique avec des idées, avec du mnémotechnique pour qu'on pige les ressorts, pour qu'ils s'approprient le plus vite possible. C'est-à-dire que même quelqu'un qui connaît pas grand chose, il a lu son horoscope, il connaît vaguement ses 12 signes, il va faire des progrès de géant parce que la méthode est simple. Elle est méga simple. Et une fois que vous avez compris les deux, trois bases, vous avez commencé à jongler vous-même, et puis ça devient très vite, mais vraiment très vite, super intéressant, parce qu'on peut faire les thèmes de tous ceux qui sont autour de nous, on va faire le thème des parents, ça, en transgénérationnel, on comprend tout de suite des trucs, pourquoi ils ont fonctionné comme ça et pas autrement, ben, souvent parce qu'ils savaient pas faire autrement, mais on le pige. Et si on le pige, eh ben, on débranche, eh ben, on leur en veut plus. C'est l'histoire qu'on leur pardonne, connaissez le concept, hein, c'est vachement important de ce côté-là. Après, quand on a des enfants, on fait pareil. Quand on a un conjoint ou qu'on cherche un conjoint, et c'est quand même mieux si on repère tout de suite quels sont ses besoins et qu'on repère tout de suite si c'est un pervers narcissique ou si c'est un type vachement gentil sur qui on pourra compter. Et ça, on sait faire. En peu de temps, on prend les bons repères. En peu de temps, on pige ce qu'il faut éviter comme la peste et le choléra réunis. On gagne un temps fou, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'approprier l'outil. C'est l'histoire du poisson et du bateau de pêche, quoi. On peut vous filer du poisson, je vous donnerai toutes les infos que vous voulez. Mais l'idée qu'on peut choper un bateau de pêche facilement, finalement, en s'y mettant, allez, s'il y a quelques heures de boulot sur un an au maximum, ça va, quoi. S'il y a 10 heures de boulot sur un an, c'est le bout du monde, quoi. Et une fois que vous avez cette base-là, vous allez commencer à jouer un peu partout autour de vous, et c'est un bon outil. C'est un bon outil super efficace. Et je fais ce que je peux faire de mieux dans ma vie. J'ai passé, 40 ans, ça fait 40 ans que je fais de l'astro, j'ai appris à apprendre l'humain, là on en rigole, mais c'est vraiment une tournure d'esprit. Et ce que j'ai appris, je l'ai fait au plus simple, et je sais que ce qui peut m'arriver de mieux dans l'existence, je le sais, hein, c'est la pyramide de Maslow, c'est être utile. Et j'ai appris des trucs pour comprendre l'humain, et je l'ai vu nulle part. Tout le monde peut faire ce que je fais, mais il faut travailler, jusqu'à ce qu'on fasse une synthèse, et que de cette synthèse, on en émerge la substantifique essence, et on prend en compte ce qu'on n'a pas fait depuis très très longtemps, tous les travaux contemporains, pour le rendre facile à assimiler. Voilà, c'est tout bête. Voilà, quoi. J'ai que des bons retours en plus, donc ça fait plaisir. Je vais vous mettre sous la vidéo. Voilà, l'offre donc, de la formation en ligne de Jean-Yves, qui est un outil préférentiel de lancement ce soir, donc 172 au lieu de 247, et avec un bonus exceptionnel, donc avec une application mobile qui va sortir dans les jours qui viennent. Et donc voilà, donc, n'hésitez surtout pas si vous avez envie de mieux faire des thèmes, vos propres thèmes ou ceux de vos enfants et de votre entourage, n'hésitez pas à essayer donc cette formation de Jean-Yves. L'application mobile qu'on a mis en place, bon, pour l'instant, on est les premiers en France, faut être clair. C'est un truc tout neuf. Personne l'a fait, quoi. On a vraiment 5 ans d'avance sur le truc. Vous aurez toutes les pleines lunes, les positions, les bons aspects, les mauvais aspects sur le smartphone, sur le téléphone, sur votre support, sur l'ordinateur. On l'a au jour le jour, on l'a la semaine. Le truc, il est programmé pour qu'on ait toutes ces infos super utiles dans notre vie à nous. C'est un complément de la chaîne. C'est beaucoup plus pointu, en fait. Voilà. Et puis, on vous fait un test en plus parce que pour l'instant, c'est complètement gratuit parce qu'on veut vos retours pour l'affiner. Comme c'est nouveau, ça vaut le coup. C'est un cadeau, voilà, profitez-en, il ne dure pas longtemps, c'est un cadeau. Et puis, là où je voulais en venir aussi, c'est que je ne vous lâche pas dans la nature. Si ça vous branche de commencer à trouver 2-3 bases, mais vraiment, ce n'est pas compliqué, je vous dis, ce n'est pas compliqué. Si ça vous intéresse de commencer à piger et commencer à jouer avec et vous approprier l'outil, on fait tous les mois, on fait une journée ensemble, et là, vous m'apportez des thèmes, vous m'apportez des cartes du ciel, et puis pendant toute une journée, on va affiner, on va progresser à la vitesse de l'éclair. Jamais n'a existé la capacité, une journée par mois, de bosser ensemble les cartes du ciel, et qu'on échange, de l'information, et que ça soit open bar, pour apprendre, et pratiquer, c'est que de la vie, et ce ne sont que des bonnes énergies. Voilà.
Alors, Jean-Yves, es-tu d'accord qu'on commence les questions des auditeurs? Welcome. Je ne m'en lasse. Pour l'instant, j'en suis jamais lassé. Alors, on commence avec Sophie. Les défauts d'un scorpion avec ceux d'une cancer sont-ils exponentiels a posteriori? Entre guillemets, destructeurs. Voilà l'expérience que j'en ai. Le scorpion et le cancer, c'est une combinaison qui marche bien pour construire un foyer et des enfants. Mon scorpion, il a des capacités de combat tout à fait exceptionnelles. Si, une fois qu'il est rentré à la maison, on lui évacue ses angoisses. Et le cancer, c'est terrible à dire, mais un des plus talentueux pour lui évacuer ses angoisses avec le poisson. Quelque part, le problème, c'est que mon scorpion est un bon attaquant et il évacue ses mauvaises énergies sur son pauvre cancer quand prend plein son gras quand il rentre à la maison. Mais en même temps, le cancer, il vit tranquille et il dort et les coffres sont pleins pour la simple et bonne raison qu'il sait que mon scorpion, il va à la chasse et il rentre jamais bredouille. Donc, c'est une combinaison complètement imagée, ce que je viens de vous faire. Mais cette combinaison-là, elle marche vraiment, vraiment bien sur un plan statistique. Maintenant, vous l'avez bien compris, on n'est que dans les conditions solaires. J'ai besoin, pour avoir une étude fiable, de voir où sont vos lunes. Parce qu'on fait la même chose avec les positions de la lune. La même chose que ce qu'on a pu avec les soleils. Et puis ça, c'est beaucoup plus pointu, en fait. C'est dit. Marie-Yvonne, le manque de confiance en soi est-il sans solution quand on est vierge, ascendant vierge, lune en sagittaire? Ah, c'est ça qui est intéressant. Regardez, moi je suis de la vierge, ascendant sagittaire. Bon. Le premier principe pour nous les vierges, c'est qu'on a un maître-outil. Il faut vraiment se coller ça dans le crâne. Notre maître-outil, c'est l'intelligence pratique et la capacité que l'on acquiert à être des bons communicants. Donc, si vous arrivez à mettre d'équerre, bien au carré, bien au cordeau, la capacité d'analyse qui est la nôtre, hein, on étudie un dossier, on sait de quoi on parle, sinon on dit rien. Hein. Et la capacité à transmettre ça par des mots en ayant un vocabulaire assez pointu, assez riche, un ton, une assurance, un peu d'entraînement, et on devient des machines de combat en termes d'assurance, et on craint mais plus rien sur Terre. Moi, quand j'étais môme, je me faisais bluffer par les signes de feu qui étaient un peu, moi je sais, je dis, oh là, s'il parle fort, c'était la raison, hein, je ne peux pas taper encore sur les mêmes. Et après, j'ai réalisé que c'était du bullshit, c'était du vent, hein, et que finalement, ben vous le laissez gueuler, vous dites bon, maintenant t'as fini tes conneries, pardon, excusez-moi, maintenant t'as parlé un peu fort, et qu'on a tous réalisé qu'il y avait rien dans le chouchou et que c'était que du vent, on peut parler de choses sérieuses. Et à ce moment-là, ils arrêtent de vous casser les pieds. Donc une vierge peut être tout aussi puissante, voire beaucoup plus puissante que ces grosses baudruches qui donnent une assurance de façade, qui finalement n'est que du vent. Voilà, c'est une question de calibrage. Donc oui, mes vierges, oui, vous pouvez être formidable en matière de confiance en vous, parce que par principe, comme vous avez été des petites souris, comme vous êtes toujours quelque part des petites souris, nous sommes des petites souris, nous n'aurons jamais le réflexe de bouffer les autres. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on n'a pas, envie, on est sous-antiquide d'être dominant, mais en revanche, on est des neutres, on n'aime pas être dominant, ça n'a aucun intérêt, mais en revanche, on ne veut pas se faire croquer, on est des neutres, tout simplement des neutres. Donc, une vierge peut prendre beaucoup d'assurance si elle s'approprie le terrain de la communication qui est notre terrain de prédilection. Voilà. Alors, Corinne, alors elle a besoin d'être assurée, Corinne. Tout d'abord, un grand merci pour votre bienveillance et le partage de vos connaissances. C'est un régal de vous écouter, de nous enrichir. Ma question, Scorpion, ascendant Scorpion, Vénus, Mercure, Neptune en Scorpion, il y a du monde. Pourquoi tout le monde, ou presque, nous colle l'étiquette au secours, sauf qui peut, c'est un Scorpion. D'où cela vient cette réputation de méchant? Ben, ça vient du fait que... On enlève cette idée préconçue que son signe adorable soit considéré comme un méchant. Bon, alors là faut, en fait, c'est toujours les plus gentils qui se plaignent pour dire qu'ils sont méchants. C'est marrant, hein, c'est un loi des paradoxes, c'est comme ça. C'est les plus gentils qui disent, mais on boit comme un méchant. Ceux qui sont vraiment méchants, ils s'en foutent. Ils sont méchants, puis ils jouissent parfois d'être méchants. Donc, on en déduit quoi? C'est que y a des gens qui ont des mauvaises réputations. Bon, c'est comme ça, parce que sur les statistiques, ils sont plus attaquants que les autres. Hein.
Alors, le scorpion, il y a une telle passion, il y a un tel concentré de j'aime pas, il y a une telle intensité, il y a une telle densité, que on aime ou on n'aime pas. Mais là, qu'est-ce que j'ai entendu, moi? J'ai entendu qu'il y avait une grosse conjonction planète en scorpion, qu'il n'y avait pas Mars. Bon, on va savoir où il est. Et puis, tout ça est collé à Neptune. Et Neptune, ça me donne une coloration poisson à mon scorpion en question. Donc, ça lui donne toute une délicatesse, une sensibilité complètement neptunienne, complètement poisson, qui doit la rendre mais, oh, carrément attachante. Moi, les Vénus-Neptune, je les adore, quoi. C'est des mamours, quoi. C'est un bonheur. Vénus-Neptune, c'est une belle, belle position. Donc, c'est une réputation, voilà. Ève, je suis taureau ascendant balance. Quels sont les défauts à améliorer hormis l'instabilité et la lenteur qui me pourrissent la vie? Ah, c'est exactement ça. L'instabilité et la lenteur. Ben, faudrait voir, déjà, j'aurais voir où est la Lune, parce que c'est le maître. La Lune et la Vénus, c'est les planètes maîtresses de l'ascendant et du Soleil. Quels sont les défauts? L'instabilité, la lenteur. Ben, faut trouver quelqu'un de moteur. C'est aussi bête que ça. Dans ces cas-là, faut trouver son complément. Dans ces cas-là, il faut trouver un objectif concret. Dans ces cas-là, vous êtes le complément idéal de quelqu'un d'extrêmement moteur. On peut pas rêver mieux parce que vous allez lui apporter une stabilité, une souplesse, une sagesse, une capacité d'absorber les situations de tension, une disposition à la bienveillance, à l'apaisement. Il faut trouver de bons compléments, quoi. Bien évidemment, si vous trouvez des profils intermédiaires, des profils moumous, d'autres profils qui repèrent ça chez eux, mais de façon un tout petit peu moindre, ils vont vous voler dans les plumes. Mais globalement, si vous avez en écho quelqu'un qui recherche très précisément un profil bienveillant, apaisant, qui prend son temps, qui est calme, qui apaise les situations, ça va être un paradis sur terre, quoi. J'ai aucun souci avec vous. Hein. Mais c'est Freud, il me semble, de mémoire, qui était taureau ascendant balance. Hein, Freud. On s'en souvient. Alors, Paolo, je suis vierge ascendant, vierge, lune en Verseau. Donc merci pour ta formation très concrète. Pour en venir à ma question, en tant que vierge, je suis très maniaque et j'ennuie tout le monde à la maison. Mais je voulais savoir si dans un thème, un trait de caractère marquant pouvait s'atténuer avec d'autres positions planétaires. Existe-t-il un signe en particulier qui soit un frein à une évolution quand on a le soleil et l'ascendant dans le même signe? Non, non, non. Le soleil et l'ascendant dans le même signe, c'est un truc très particulier qu'il faut retenir. L'ascendant, c'est la projection du surmoi. En gros, c'est l'image qu'on donne de soi vis-à-vis du monde extérieur. Et le soleil, c'est la volonté réalisatrice consciente de la direction vers laquelle on se réalise socialement. L'ascendant, c'est gérer les autres. Hein, donner une image pour gérer les autres, et le soleil, c'est ce qu'on veut soi-même en toute lucidité. Donc, quand vous mettez l'un sur l'autre, qu'est-ce que ça donne? Ça renforce la position du soleil, et en même temps, ça renforce la position de l'ascendant. Ce sont deux énergies qui convergent dans la même dynamique. Ça donne des profils qui, très globalement, ont besoin de tracer la route, de tracer leur chemin, de créer leur destin. Donc, j'aime beaucoup les soleils sur l'ascendant, ça donne des profils puissants, ça donne un côté locomotive. Alors, imaginez un soleil sur l'ascendant bélier, la puissance de feu que ça a, c'est extra, quoi. Donc, en vierge, ça donne tout simplement quelqu'un qui va trouver une direction, hein, peut-être pas toujours numéro un de cordée, mais dans tous les cas, qui sera très très bon dans ce qui touchera. Alors, s'il est très très bon dans ce qui touchera, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer, dans ce signe qui manque de confiance en lui, ça va engendrer un degré de contrôle et d'exigence plus élevé que la moyenne. C'est-à-dire que ses curseurs d'exigence avec lui-même vont être plus élevés que chez les autres. Donc, si on a des curseurs d'exigence plus élevés et qu'on a besoin, pour prendre confiance, de revenir 100 fois sur l'ouvrage et d'être très organisé pour ça, ça peut donner un côté maniaque. Certes, mais ce n'est qu'une façon de fonctionner que l'on peut, si on y prend garde, si on est trop le nez dans le guidon, laisser prendre de l'extension dans beaucoup trop de domaines de la vie. Le but, bien évidemment, c'est d'arriver à une sorte de crête de maîtrise dans un domaine, quelle que soit la maîtrise en question. Ça peut être planter des clous, ça peut être coller des timbres, ça peut être écrire des romans, ça peut être expert comptable, voilà, je sais pas. Trouver un domaine dans lequel on prend suffisamment d'assurance pour commencer à s'autoriser du lâcher prise dans tous les autres domaines qui sont pas prioritaires. Voilà. Ça arrive, c'est par strat. Hein. Donc, jeune, qu'on manque de confiance en soi et que du coup, on essaye de tout contrôler avec des rituels d'organisation dans la vie de tous les jours, c'est d'une cohérence, ok, imparable, incontournable. En revanche, sur le long terme,
on apprend à lâcher dès qu'on est dans un domaine qui va nous concentrer nos énergies actives. Il va falloir qu'on souffle à l'extérieur parce que nous sommes des mercuriens. Les mercuriens, ça chauffe, ça fatigue, hein, si c'est trop sollicité. Donc, il faut nous accorder des zones de répit, des endroits à sas de récupération, des zones, c'est pour ça qu'il y a le soleil extérieur, lune intérieure. Là, avec une lune verso, c'est vrai qu'il y a un peu d'indépendance qui serait intéressant. Peut-être de temps en temps, prendre son baluchon, partir 2-3 jours pour se vider la tête. Ça serait excellent, ça. Un soleil en vierge, une lune en verso, de temps en temps, il faut se faire des petits week-ends ou des petites semaines où on file, quoi. On débranche tout, vraiment on débranche tout, pour revenir après bien concentré sur ce qu'on a à faire. Moi, j'en connais un, j'aime beaucoup Vierge, Lune en Verseau. Et lui, il ne part pas assez en vacances. Et quand il part en vacances, il revient, il est en pleine forme. Voilà. Bon. Je demande de qui tu parles. Je demande. Alors, Mylène, je suis poisson, ascendant Capricorne. Est-ce que l'ascendant est aussi présent au niveau des traits de caractère par rapport à notre signe? Dans le cas présent, oui. Alors, ça aussi, c'est des trucs qui s'apprennent. Le souci, c'est que pour le coup, il y a plus de densité chez l'ascendant Capricorne que chez le soleil en poisson. C'est beaucoup plus facile dans l'autre sens. Parce que la personne qui est Capricorne ascendant poisson va donner une image très douce et va être très déterminée derrière. C'est la combinaison la plus efficace. Soyons lucides, hein. On fait gaffe. C'est la main de fer dans le gant de velours. Là, j'ai la main de velours dans le gant de fer. Donc, faut travailler son truc, faut travailler son histoire. L'ascendant Capricorne a cette complexité sur le plan relationnel de projeter de lui une image dite aspérité. Aspérité, ça veut dire que si vous le brusquez, il va réagir de façon complètement défensive, froide, et puis il va sortir les grandes boxes. L'ascendant Capricorne, c'est un signe gouverné par Mars et Saturne. Faut jamais l'oublier. Donc, on lui marche pas sur les pieds, on lui manque pas de respect. Il se laissera pas faire. Si on le violente contre ce coup, c'est pas un ascendant balance qui dit bon, arrête ton cinéma, je vais jouer ailleurs, et puis je retourne vers ceux qui sont souriants. Lui, il va faire face. Donc, dans la confrontation des rapports humains de la vie de tous les jours, un ascendant Capricorne aura cette tendance à, comme tous les ascendants gouvernés par Mars, que ce soit Bélier, Scorpion ou Capricorne, la projection du surmoi fait que s'il y a un combat qui se présente, on va pas se dérober. Et c'est le début de tous les emmerdements de la vie. Parce que il y a des combats qu'on doit mener et il y en a qu'on doit éviter, qu'on doit esquiver. Voilà, c'est comme ça. Hein, sinon, on passerait notre vie à se bagarrer avec tout le monde. Et donc, faut garder l'énergie pour les enjeux prioritaires et pas se disperser. C'est un conseil, c'est projectif. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Je suis en train de vous projeter un système qui est le mien, qui sera pas celui d'un bélier, qui sera pas celui d'un scorpion. Voilà. Mais donc, l'ascendant Capricorne risque de donner une projection de quelqu'un qui se laisse pas faire. C'est ce que je veux que vous reteniez. Et derrière, le soleil en poisson, il déteste les conflits. Quelle perte d'énergie, quel truc à la con, se bagarrer sert à quoi? Donc finalement, si on se place dans des situations de combat extérieurement et derrière, on n'aime vraiment pas ça, ça rend malheureux. Donc plus on va trouver un équilibre entre les deux, plus on va faire émerger la condition solaire qui certes, ne va pas se laisser boulotter, mais en même temps, on va le plus vite possible faire émerger le côté poisson, de façon à pas donner cette image un peu sèche, on gagnera à travailler son ascendant pour lui donner de la rondeur. Si on fait ça, la cohabitation, elle n'est pas si mauvaise. On a un rapport péréo qui est bon. J'aime bien les rapports péréo, ce sont les plus féconds. Voilà, c'est dit. Alors, Michael, merci infiniment pour vos partages passionnés, passionnants que je tiens à ne pas rater. Merci. Comment interprétez-vous le potentiel, entre guillemets, vie de couple, entre deux mêmes signes solaires vierges, l'un ascendant sagittaire, l'autre ascendant bélier? Ok. Bon, au niveau des surmois, on est dans les clous. J'ai deux surmois affirmés qui ne cessent pas faire, qui ont de l'ego un peu apparent. L'ascendant sagittaire, il est beaucoup plus chanceux, on le sait, parce qu'il est optimiste, positif. Et il n'a qu'un défaut, l'ascendant sagittaire, je connais un peu le dossier. L'ascendant sagittaire, il est très sensible aux gens bien aimés. C'est sa faille, en fait. Lui-même faisant en général extrêmement attention, étant très vigilant à pas mettre les pieds sur la table, à respecter les autres, à être dans les clous, à dire bonjour, merci, au revoir. Enfin, l'ascendant sagittaire, c'est Jupiter, Zeus, l'autorité, les lois, les colonnes, les droits, etc. Il est positif, chaleureux, mais si en face il a affaire à des gens qui sont pas très bien élevés, il est d'une intolérance épouvantable, mais épouvantable. Il y a d'un snobisme mais dont vous n'avez pas idée quoi là-dessus. Donc c'est important pour lui. Ça c'est l'ascendant sagittaire.
L'ascendant bélier, il projette une image, on l'a vu tout à l'heure, qui fonce. Et si on est offensif, lors du premier contact, on risque de se heurter à l'animosité d'un tas de gens qui vont considérer que eux, ils font déjà partie d'une entité, d'un groupe. Et donc, quelqu'un qui leur vole dans les plumes ou qui est un peu trop frontal est intrusif. Et quelqu'un qui est intrusif, on va d'instinct s'en méfier, le rejeter. S'il envoie d'énergie offensive, il va se prendre en face un retour du même écho. Donc, c'est pas le plus puissant des facteurs chance face à un bélier, parce que la prédisposition à poussez-vous de là, je m'y mette, rentre dans l'art, ou tout simplement de la spontanéité, de la chaleur et de l'élan et de l'impatience, peut être perçu comme de l'agressivité et un côté intrusif, un côté hussard, en gros. Donc ça, c'est pas toujours le truc le plus facile, l'ascendant bélier, on l'a vu. Maintenant, des conditions solaires vierges, ce qui va vous réunir, c'est des besoins de construire, des besoins d'être des bons écureuils. Oh, j'adore les vierges ensemble. J'adore les couples de vierges ensemble. Parce que l'hiver, c'est des bonheurs, tous les deux. On se lasse pas, hein. C'est, t'as mis ton petit chandail, t'as pris tes petites vitamines, hein. T'as pris ton petit cache-nez, hein. Attention, t'as mis tes grosses chaussettes, t'as pas attrapé froid, etc. C'est des mamours, quoi. C'est drôle, drôle, drôle. Quand vous assistez à ça, c'est que du bonheur, quoi. On en est tout en amouré et tout, quoi. C'est tout mimi. Des cancers, c'est un peu pareil aussi. J'aime beaucoup. Voilà, le poisson aussi, c'est cool, ça, ces signes-là. C'est intéressant, on a dit tous les jours. Si les lunes sont belles, bien évidemment. Donc oui, ça peut très bien marcher. Là où sont vos lunes m'intéresserait davantage pour la viabilité de couple. Là, je vous traîne un secret d'état, là. Alors, Corinne, je connais deux béliers ascendant cancer complètement différents. Un gentil, un méchant. La seule qu'ils ont en commun, c'est d'être aventuriers, vivre sans contraintes, horaires et sports extrêmes, parapente pour l'un, rallye pour l'autre. Sinon, deux opposés. Bizarre, non? Non, non, c'est tout à fait cohérent. Pour une raison, mais de base, grand Dieu, de base, hein. Un bélier, Mars bélier, c'est un merveilleux moteur extraordinaire que moi, je suivrai au bout du monde si j'arrive à le suivre tellement ils ont de la passion, de l'énergie, de la volonté. Je vous donne une idée. Quand je suis un bélier, il faut vraiment que j'ai confiance dans leur côté pushy, moteur et numéro une cordée. En revanche, un bélier, avec, je vais pas vous dire quelle planète, ça serait trop facile, mais dans un signe épouvantablement qui va pas, il donne des envies de meurtre, quoi. Parce que le profil du bélier en question, sa seule raison d'exister, c'est de faire chier, pardon de l'expression, mais tout ce qui existe sur Terre, hein. Les pires, les plus gros casse-pieds dans la vie, c'est les martiens et des mars pas terribles, voilà, c'est dit. Il y a le meilleur et le pire dans ce signe. Donc, non, ça me choque pas. Et puis, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que quelqu'un qui est né un 1er avril, un bélier, hein, eh ben, chaque année, toutes les planètes vont être différentes. Il y aura que le soleil au même endroit, que le soleil. Tous les autres auront bougé. Hein, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, ils auront fait des pas réguliers, ils sont tous ailleurs. Hop, tous partis. Hop. Comme des, vous mettez des fourmis sur une feuille de papier, et ben, vous regardez, 10 secondes plus tard, elles sont parties dans tous les sens. Ben, les planètes, c'est pareil. Même signe, d'une nez sur l'autre, il n'y a plus rien. Voilà, fini. Alors, Jean-Yves, il y a plusieurs personnes qui posent la même question, donc tu en avais déjà parlé, mais on dit qu'en vieillissant, on se rapproche de plus en plus de son ascendant. Il faut impérativement, je vous conseille vivement de regarder sur notre chaîne une vidéo qui s'appelle quel est le rôle de l'ascendant. Mais je vais vous le refaire parce que j'aime bien la question. Alors, l'ascendant, on l'a vu, hein, c'est l'image qu'on donne de soi vis-à-vis du monde extérieur. Depuis qu'on est enfant, on entend des trucs du genre va te laver les mains, tiens-toi droit, bouge ton nez, dis bonjour à la dame. Enfin, tous les automatismes qui ont une visée, c'est vivre avec les autres. Et ben, l'ascendant, c'est ça, hein. Ça, c'est l'ascendant. Et puis, il y a le soleil. Le soleil, c'est l'objectif, le désir, conscient, etc. Donc, plus l'éducation est psychorigide, plus l'ascendant va prendre de place. Parce que l'ascendant, c'est le rôle senseur. C'est celui qui contrôle l'ego. Hein. L'ego, s'il n'a pas de senseur, il tue tout le monde. Hein. Tout est sur son chemin. Donc, il fallait un flic qui contrôle l'ego parce qu'on vit en collectivité. Et l'ascendant, c'est son boulot. Donc, non. Si vous êtes normalement constitué, c'est l'inverse qui se passe. À partir de la quarantaine, le soleil, l'ego, trouve l'équilibre et fait passer ses désirs et intègre dans ses désirs les structures sociales incontournables pour avancer. Donc globalement, il y a un équilibre, une harmonisation qui se fait entre le moi et le surmoi, en gros entre l'ascendant et le soleil, en gros entre les règles de l'extérieur et les désirs propres. Voilà, c'est un truc qui cohabite. Après, il y a des règles.
Si le soleil est plus fort que l'ascendant, en gros, vous me prenez un ascendant balance qui est un gentil ascendant et un soleil bélier qui a un puissant moteur, il est évident que jamais l'ascendant prendra le pas sur le soleil qui est tellement fort. Maintenant, si c'est l'inverse, si j'ai une balance avec un ascendant bélier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est possible que pour avoir la paix, pour pas qu'on la boulotte ma balance, elle aille se planquer derrière cette image un peu belliqueuse, un peu rentre-dedans, un peu frontale, un peu dominante. Tiens, j'en ai une aujourd'hui en ligne. Une personne qui était balance avec un ascendant lion. Hein, balance ascendant lion. Au départ, elle m'a donné une image, comme ça, premier contact, je sais tout. Ok, bon, ça va quoi. Donc, il a fallu creuser un peu, et jusqu'à temps que je découvre le tempérament balance. Elle avait seulement une balance. Et finalement, quand on a creusé la carapace, qui était vachement je sais tout, je sais, etc., on a réalisé, une fois qu'on a crevé la carapace, qu'on est passé à travers le filtre, que ce n'était que de la gentillesse. Ce n'était que de la gentillesse, de la souplesse, de la douceur, de l'envie de bien faire, de la délicatesse, etc. Donc, l'ascendant, ça peut être quelque chose qui protège du monde extérieur. Il y a des gens extraordinairement gentils, délicats, attentionnés et d'une finesse infinie qui vont se planquer derrière un ascendant dur pour se protéger telle une muraille autour d'un château fort du monde extérieur pour éviter de se faire boulotter, pour éviter de se faire martyriser, envahir, truander, voler, machin. Donc on va se protéger derrière un ascendant un peu sec. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'il va devenir dominant. Parce que dès le départ, ce n'est que du paraître. Hein. C'est tout ce qu'on construit comme savoir-faire relationnel pour se confronter au monde extérieur. Si on est sûr de soi, il va être expansif. Si on n'est pas sûr de soi, il va être défensif. Mécanisme. Hein. C'est un mécanisme de rapport de force, de jeu d'élan et de retenue. C'est des mécaniques comme ça que je voudrais que vous acquériez. Parce que quand on les pige, on comprend pas mal de trucs. On va beaucoup plus vite en fait. Alors, j'avais une question. Karine, c'est très compliqué de s'équilibrer. Je suis cancer ascendant capricorne et la lune en gémeaux, mais mercure en cancer, donc ils se piquent leur domicile. Je suis perdue. Bon, ok. Un ascendant capricorne, c'est pas de bol, hein. Mais ça protège bien. Non, je plaisante quand je dis c'est pas de bol. Non, il va falloir le travailler, tout simplement. Il va falloir travailler une notion très simple. C'est donner une image de soi la moins défensive possible. Alors c'est dur parce qu'on est dans cancer ascendant capricorne. Donc il y aura toujours un mécanisme projeté, empreint d'une relative réserve et retenue. Bon, je vous conseille de prendre confiance en vous, dans votre intuition qui permet de sentir les gens. Avec une lune gémeaux, vous êtes un vrai caméléon, vous devez avoir une capacité à vous adapter à vos interlocuteurs, à les comprendre. Dans la vie de tous les jours, il y a de la vie, il y a besoin d'échanges. Autant on peut donner un côté froid à l'extérieur, autant dans la vie de tous les jours, la lune gémeaux, moi je les adore les lunes gémeaux, parce qu'on s'ennuie jamais avec. Hein. Ce sont des profils qui ont toujours une idée, toujours un truc à raconter, toujours une curiosité. C'est un concentré de vie dans la vie, dans tous les jours. Parfois, ils tiennent pas en place, mais au moins, il y a de la vie. On s'ennuie pas. Hein. C'est l'antithèse de la dépouille, quoi. Donc, j'ai un soleil cancer en maison 7, hein, la maison 7 Union Association. Pour moi, c'est des très bons partenaires, ça. Soleil cancer en maison 7. Je lui confie les mômes, les clés de la bagnole, tout ce qui est fiable, quoi, les clés de la maison, parce que le rôle social dans la vie, ça va être de protéger son univers proche avec un amour d'un pélican pour ses mômes, quoi. Un pélican, c'est celui qui sait de boulotter ce qu'il a ramené dans sa gorge par les petits, etc. Hein. Donc, ça, oui, ok. Travaillons cette image extérieure un peu rigueuse. Apprenons à avoir confiance dans cette capacité à estimer l'interlocuteur en ayant confiance dans son instinct. Hein, et puis, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Pas de soucis, voilà. Que des trucs sympas, ça. L'ascendant extérieur un peu dur, quand même. Voilà l'enjeu à bosser. Alors, Marie-Françoise, je suis née le 22-05-56, ascendant Sagittaire et Lune en Scorpion. Je voudrais connaître mon avenir sentimental avec ma moitié qui est Balance. Ok, bon, faut voir le thème complet.
Voilà, une foulée de dates de naissance. Là, c'est du sur-mesure, c'est des trucs perso. Pour les trucs perso, passez-moi un coup de fil perso, quoi. Là, ce qui m'arrange, c'est que ça peut être utile pour tout le monde. Bon, allez, on va faire un truc facile. Gémeaux balance, c'est des rapports solaires faciles. Du moment qu'on communique, du moment qu'on s'entend, voilà. Voilà. Qualité de la question au niveau de la qualité de la réponse. Ça se vaut. Donc oui, c'est les signes qui s'entendent bien, balance et gémeaux. Voilà, super. Une autre question? Magali, dans tous les signes, donc avec une confirmation, seul le signe, le soleil reste identique chaque année, c'est bien ça? C'est ça, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que c'est le calendrier qui est construit comme ça. Il nous fallait des bases de calendrier qui fait qu'on a pris une année autour du soleil parce que tous les ans, en gros, 20-21 mars, c'est le printemps. Tous les ans, on arrive au 21 juin, c'est l'été. 22 septembre, c'est l'automne. Et 21 décembre, c'est l'hiver. Et puis, ça tourne comme ça. On tourne autour du soleil, en fait. Et puis, on s'en éloigne. On est dans une course en ovoïde. Et puis, il y a l'angle qu'on appelle la déclinaison de la Terre, la tourne de la Terre qui est un peu en biais comme ça par rapport à son mouvement, la courbe de l'elliptique, en fait, pour faire simple, pas vous enquiquiner des trucs mécaniques, mais voilà. Donc, c'est le seul qui revient à son point initial. C'est le soleil. Tous les autres, ils ont des vitesses différentes. Donc, on sait quel est là-dessus sur le calendrier. C'est clair. Alors, Olivier, je suis poisson, premier décan, ascendant balance, lune en bélier, j'ai 53 ans. J'étais assez entreprenant plus jeune, mais en vieillissant, je le suis moins, et surtout, je mène ma vie en étant le plus juste possible envers les autres. Est-ce mon signe lunaire cet éteint? C'est une question extrêmement intéressante. Alors, voilà le genre de question que j'aime beaucoup. Olivier, depuis 2 ans, alors je saute du coq à l'âne, parce que depuis 2 ans, les lunes béliers, elles reçoivent un double carré Saturne-Pluton qui est une horreur. Et depuis 2 ans, toute l'énergie du bélier, les béliers, vous n'êtes pas à la pêche en ce moment, là, parce qu'il y a Saturne qui est une planète lourde, 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 qui ralentit, qui freine, c'est la planète de la dépression, je vais pas vous faire un dessin, quoi. Et en ce moment, il est en Capricorne, le Saturne, et il forme un carré avec les planètes en bélier. Et un carré, c'est comme une opposition, c'est comme si on l'avait sur la poire, c'est des trucs qui vous fatiguent, qui vous sèchent, qui vous vident dans l'énergie. Donc, le ressenti que j'ai intuitivement, c'est qu'il faut qu'on attende que Saturne se carapate pour suivre son cycle de révolution. Ça va pas prendre trop longtemps, hein, voilà. Et puis quand il sera parti, cette chape de plomb que vous avez sur les épaules avec l'influence en question, elle va disparaître de la circulation, elle va aller enquiquiner quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est de l'astrologie dite prévisionnelle. Un jour, je vous ferai un module là-dessus. Vous allez adorer, parce que c'est la quintessence de l'astro, c'est quand même de voir tout ce qui arrive derrière. Comprendre, c'est génial, mais comprendre comment ça va se présenter derrière, c'est topissime. Mais ça, commencez par prendre des petits cours pour apprendre les bases, et puis ensuite, je vous apprendrai le prévisionnel. Bref, faut tenir le choc, parce que cette lune bélier, elle va réémerger. C'est top, hein. C'est une telle puissance de feu, une telle puissance de vie, un tel instinct de vie. Pour moi, une lune bélier, ça tient pas en place, quoi. Ça a une énergie à produire matin, midi et soir qui est extraordinaire. C'est des moteurs qui, dès qu'ils s'assiedent, ils disent « Ah, il y a sûrement un truc à faire. Je peux pas rester une demi-heure assis. Oh, ben, je culpabilise. Hop, je me relève, je refais un truc. » Lune bélier, c'est génial, on s'ennuie pas, quoi. Il y a de l'énergie, en tout cas, hein. C'est électrique. Mais j'aime beaucoup l'ascendant balance. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est mon préféré, hein. Je vais pas en faire un roman, hein. Et mon soleil poisson, il a souvent des objectifs, on l'a vu, qui sont flous. Hein. Donc, avoir une lune momentanément fatiguée et des objectifs qui peut-être sont devenus avec le temps un peu plus vacillants, hein, peut-être la première des questions, en attendant que l'énergie revienne, ça serait d'identifier beaucoup plus clairement où est-ce que vous voulez aller, quoi. Hein. Quel est l'objectif à atteindre? Parce que quand il n'y a plus d'objectif dans le collimateur, la voiture elle reste dans le parking, le moteur il tombe plus, et donc il n'y a plus d'énergie et le truc fonctionne en boucle. Donc, je ne vais pas vous faire une consultation maintenant, mais mon premier réflexe en regard de ce que j'ai, hein, il faudrait que je vois où est Mars aussi. Je suis très, très à cheval sur Mars. Mais de toute évidence, il y a moins le jus à l'intérieur et il n'y a pas d'objectif identifié. Voilà. 2 questions centrales. Il faudrait qu'on échange là-dessus, ça serait la base. Mais ça vous donne une piste. En tout cas, l'aspect en question, plus le tonus dans la vie de tous les jours, c'est momentané, c'est une question de transit. Transit planétaire, hein, vous avez bien compris. Voilà. Alors, Véronique, je suis Lion, ascendant Bélier, et depuis l'âge de 30 ans, je ne reste pas plus d'un an et demi dans la même entreprise. Je voulais savoir si la qualité du Bélier de démarrage et l'inconvénient de ne pas perdurer dans le temps qui rentrent en compte pour mon parcours.
Ça peut intervenir. Après, c'est un tempérament, elle est lion ascendant bélier, on a dit. Hein. Donc, c'est un tempérament très puissant. Très, très, très puissant, lion ascendant bélier. J'ai beaucoup de feu. C'est-à-dire que c'est un tempérament qui est capable de gérer des situations d'autorité, qui est capable d'exercer des responsabilités, qui est capable de prendre de l'expansion dans ce qui touche, qui est capable d'avoir une vision globale, plein de qualités. Hein. Mais avant de parvenir à mettre ça en lumière, ça nécessite de passer par tout un système qui consiste souvent, à moins de monter sa propre boîte, peut-être ce qu'elle fera, je pense, mais ces profils-là, ils ont du mal à faire un gros dos pour passer toutes les étapes de toutes les petites marches qui permettent d'accéder aux postes et aux fonctions d'autorité auxquelles ils sont susceptibles de prétendre parce qu'ils en ont le talent potentiel. Bref, pour monter stratégiquement, il faut commencer par être humble des petites souris. Hein. On commence par être un humble apprenti, et puis après, dans certains secteurs philosophiques, on devient compagnon quand on l'a mérité, et puis on passe d'autres niveaux. Mais dans tous les cas, on n'avance pas à pas. Or, souvent, le risque que j'ai avec un lion ascendant bélier, c'est que l'impatience de grimper et la conscience de son potentiel et de ses talents fait qu'on risque de brûler les étapes. Et si on brûle les étapes, on va démultiplier le risque de friction avec tout ce qu'il y a autour. On risque aussi d'avoir un respect tout à fait modéré si l'autorité n'est pas au top de la compétence, ce qui veut dire qu'on va accumuler des facteurs de friction relationnelle qui vont plus rapidement arriver à l'usure et donc on va pas assurer un job longtemps au même endroit parce qu'on va très vite se friter. Voilà. Si on veut aller trop vite, on passe un excès de vitesse, les gendarmes vous attrapent, ben là c'est un peu différent. Hein, c'est tout le monde qui se met, on se met tout le monde à dos en voulant, même si on est plus doué, plus intelligent, plus rapide, plus tout, il y a des chronologies dans des systèmes où on est dans des boîtes où il y a du monde, il y a ceux qui sont en place avant vous, il y a ceux qui sont moins contents, qui veulent avancer au mérite, il y a ceux qui voient votre arrivée qu'avec de la jalousie, il y a ceux qui ont l'impression de se faire marcher sur les pieds, tout le panel cohabite dans les boîtes, dans les grosses structures, ce sont des façons de procéder qui sont tout à fait particulières. Vous seriez mieux peut-être dans une petite boîte où on va vous vite vous refiler des responsabilités, c'est clair, mais à terme, très certainement, de créer votre business à vous toute seule, parce que ça, vous avez un profil à ça. Voilà. Donc, soyez pas surpris si on reste pas longtemps dans des boîtes, parce que on a des talents, et puis on veut les affirmer, et puis le contexte s'y prête pas. Donc, ça crée un bouchon, quoi. Voilà. Embouteillage, peut-être, en quelque sorte. Mais c'est une signature de quelqu'un qui peut prendre de l'expansion par ses propres moyens. Voir le reste, toujours pareil. Alors, on va prendre encore quelques questions. Nathalie, y a-t-il de réelles différences de caractère entre les différents décans des signes? Ah, c'est une intéressante question. Alors, il y a des courants de pensée qui disent ça, Nathalie. Il y a des, sont des courants de pensée. Hein. Bon, faut pas les prendre au premier degré. Ils disent que les 10 premiers degrés normalement sont les plus puissants. Après, sont les plus stables. Bon, c'est toujours le problème des, comment on appelle ça déjà. Enfin, il y a un système dans chaque élément qui fait qu'il y a le cardinal, le fixe et le mutable. Donc, on dit que le premier, c'est le plus puissant, le deuxième, c'est le plus difficile à bouger, le troisième, il est déjà dans le signe suivant. Donc, il semblerait que ce qui est dans la première des quatre soit le plus puissant. Voilà. Mais je vous garantis rien du tout, parce que moi-même, j'en suis pas convaincu. Je ne fais que citer la tradition qui nous essaie de nous imprégner de ce système-là. C'est pas incohérent non plus. Voilà. Je suis pour à 60-40. Une réponse de Normand, je suis désolé. Alors Edith, y a-t-il une interprétation particulière à donner à des planètes qui sont dans tous les derniers degrés, par exemple 29 degrés, ou tout premier d'un signe? Merci pour votre intervention. Oh, merci. Alors ça, j'adore cette question. J'adore. Mille merci de me l'avoir posée. Merci. Bref, je vais quand même y répondre. Quand les planètes tournent en permanence autour de nous, on le sait. Hein, en fait, elles tournent autour du Soleil, vous le savez, nous on est sur Terre, donc elles tournent autour de nous tous, quoi, en gros. Hein. Et le principe étant qu'il n'y a pas de frontière dans l'espace. Hein. On n'est pas entre les États-Unis et le Mexique, hein, je plaisante en disant ça, il n'y a pas de frontière, quoi, dans l'espace. Et donc, comme il n'y a pas de frontière,
Une planète qui est entre deux signes, elle prend la double couleur. Elle prend la double casquette. Donc, une planète qui a 29 degrés d'un signe quel qu'il soit, ou à 1 degré d'un signe quel qu'il soit, elle est encore dans la couleur du mixte et du mélange. Et pour ma part, avec l'expérience, je considère qu'avoir une planète ou un axe, hein, c'est pareil, un axe, un ascendant, etc., entre deux signes, ce qu'on appelle signe en fait, hein, parce que c'est les mouvements du cycle des saisons, hein, et ben, c'est beaucoup plus riche. Moi, j'ai une affinité, une affection beaucoup plus marquée pour ceux qui ont des planètes dans tous les coins. Voilà. Plutôt que les grosses concentrations planétaires, ce qu'on appelle les interplanétaires, ou beaucoup de choses dans un signe, etc. Je préfère quand il y a des planètes dans tous les coins, parce que ça augmente la gamme, comme un clavier de piano, hein, il y a plus de graves, des aigus, de variations, de tons, d'amplitude, etc. C'est plus riche. Donc, quand on est entre deux signes, je considère à l'usage que c'est une chance. Hein. C'est un peu, on n'a pas gagné au loto quand même, c'est pas à ce niveau-là. Mais on est plus, il y a plus de possibilités, plus de créativité. On va jouer sur plusieurs éléments, sur plusieurs registres, sur plusieurs teintes. L'aptitude à s'adapter aux situations est meilleure. Voilà, tout simplement. Les coups du sort, on les vit mieux. Les variations inhérentes, les évolutions face à la vie, on est plus élastique. On est plus roseau que chêne, certes. Mais on connaît tous l'histoire du chêne et du roseau. C'est dit. Alors, on va encore prendre deux questions. Charlotte, comment expliquer qu'on ne se reconnaisse ni dans son signe solaire, ni dans son ascendant ? Alors, typiquement, s'il y a des trucs il y a des trucs qui sont vraiment inattendus. Chez le cancer et le taureau, c'est flagrant. Pourquoi ? Parce que, en fonction de la qualité de la lune, mon taureau et mon cancer, ils vont être complètement différent. Vous savez, moi j'avais connu un soleil taureau avec des planètes en bélier, en sagittaire, elle pensait qu'elle claquait du pognon. J'ai connu des taureaux avec une lune en balance, une Vénus en gémeaux, et ça a donné des cœurs extraordinaires. J'ai eu encore aujourd'hui un taureau avec une lune en poisson, ben c'est partie des plus belles âmes que j'ai pu rencontrer au niveau humain. Vous voyez, lune poisson, j'adore, hein, faut dire que j'ai une grosse affection pour la lune en poisson. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Donc, on peut, quand on est dans des signes chez qui le maître est une planète puissante qui se trouve dans un autre signe, ça peut colorer le truc complètement différemment. C'est pour ça que je vous pousse à essayer de piger les bases et de comprendre où est la lune, où est les planètes maîtresses. Un truc, 2 heures avec moi, vous avez compris, toute votre vie, vous en souviendrez. Donc, et ça vous fait vraiment un pas de géant dans l'évolution du truc. Quand vous aurez pigé ça, vraiment, ça s'éclaire, c'est vite et c'est rapide. L'idée, c'est simple, c'est qu'on se retrouve pas dans son soleil, c'est normal, parce que le maître outil n'est pas un endroit auquel on est habitué. On se retrouve pas dans son ascendant, sur son ascendant, c'est normal, parce qu'il y a une planète qui a rien à voir avec la donnée de l'ascendant qui est sur l'ascendant. Voilà. Aussi bête que ça. C'est clair. Et puis, il y a des gens qui sont aussi en pleine évolution. Et puis, il faut voir ce que c'est que son soleil et son ascendant. Ça nous donnerait une autre idée. Avec une lecture un peu complète du thème, on va pas le pousser le bis jusque-là parce que c'est quand même un peu de boulot, mais comprendre les bases pour repérer en ça 80% de la personne à qui vous avez affaire, c'est un truc que vous pouvez apprendre assez vite. En fait. Alors, je passe juste un message à Nadine qui a un petit souci avec acheter la formation et pas de retour. Donc, écrivez un email à contact@bibouda.fr. Je vous l'ai mis là dans le chat. Et à ce moment-là, on regardera où est le souci. Et puis, on avait dit une dernière question. Alors, c'était, je ne sais plus qui avait que des signes en eau. La question. Tiens, en attendant la question. La question, en gros, c'était j'ai 3 signes en eau, que ce soit ascendant. Soleil et lune. Voilà. Ouais. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop d'eau? Sensibilité. Ah, ouais, je vais la répondre en global pour que ça nous intéresse tous, si j'y arrive. L'idée, c'est. Alors ça, vraiment, je voudrais vous le coller dans le crâne comme un postulat. C'est une base de compréhension de l'astro. Il ne tombera pas plus bas. Voilà. L'idée, c'est que chaque élément a un moteur. Vous savez, j'avais fait il y a quelques années, j'avais bossé sur un truc qui était des grilles de motivation. Et vous avez des profils que pour travailler avec les gens, pour motiver les gens, vous pouvez travailler sur un panel qui va être le statut. Hein, en gros,
si quelqu'un voulait me motiver, vous dites, bah voilà, si tu bosses bien sur ta carte de visite, et puis là, tu auras un galon, il y aura marqué chef. Donc les profils feu, ils sont vachement sensibles à ça. Ils disent, ah, si tu bosses bien, si tu fais ce qu'on te demande, tu auras le machin, la médaille en chocolat, le galon, le truc, la casquette, le chapeau avec le machin. Chef, chef. Alors ça, les signes de feu, touche plus terre. Ok, c'est une motivation. Après, vous avez ceux qui sont motivables, ça c'est des feux, on a vu. Après, vous avez ceux qui sont motivables sur le concret, sur le tactile. Si tu bosses bien, tu auras une augmentation, tu auras une prime. Ça, c'est les profils terre. Les profils terre, ils sont vachement concrets. Hein, et le chef, ils s'en foutent en général, parce que voilà, pourquoi faire. En revanche, on dit, ah ouais, l'idée de m'acheter des noisettes pour l'hiver, l'idée de payer un voyage, un peu un truc qui me plaît bien, etc. La terre, c'est concret, ça parle. Hein. Et puis, après, vous avez les profils R. Les profils R, on dit, voilà, si tu remplis la mission, tu auras une semaine de vacances. Le signe d'air, moi, la liberté, liberté chérie, oh, symbole si rarissime, etc. Pof, bref, motivation, l'autonomie de mouvement. Voilà pour mes signes d'air. Et puis, pour motiver mes signes d'eau, parce qu'on en est à la question qui est posée là. Oui, c'est Marilyn. J'ai bien entendu. Quelqu'un qui est très haut, on va lui dire, si tu fais bien ton boulot, eh ben, je t'aimerais encore plus. Voilà, c'est ça, mes signes d'eau. Ce sont des profils, et c'était ma conclusion, hein, les signes d'eau, ils sont extrêmement perméables à l'attachement, à l'affection, à la bienveillance, au lien humain, à l'affection concrète, à la profondeur des sentiments, des ressentis, de la proximité, c'est ça leur moteur. Hein. Le premier, c'est « tu seras chef », le deuxième, c'est « tu auras une prime », le troisième, c'est « tu pourras bosser comme tu veux, on te foutra la paix », et le quatrième, si tu bosses bien, ben, qu'est-ce qu'on va t'aimer, hein. Et ben, les signes d'eau, quelqu'un qui est très haut, et ben, va être extrêmement dépendant des sentiments qu'on lui porte. Voilà. Merci à tous d'être restés jusqu'à tardivement 22h26, et puis à très bientôt donc, avec un prochain webinaire, le mois prochain avec Jean-Yves encore. Et puis, bah, très bonne soirée à tous. Merci encore, Jean-Yves. On verra quoi le mois prochain, Emmanuel? On verra, je crois, de mémoire, les limites du prévisionnel. Oui, c'est ça. On peut voir un tas de trucs. Deux secondes. Allez, je vous en parle un peu. C'est redoutable, le prévisionnel. C'est absolument redoutable ce qu'on peut aller chercher quand on voit les aspects qui repassent à des moments précis. Mais il y a des limites. On ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir. Et c'est très précisément ce que je ferais une joie d'essayer de contourner, parce que comme ça, quand vous serez dans une interrogation, si vous allez voir quelqu'un, je vais vous donner un périmètre de ce qui est possible de voir et que vraiment ce qui n'est pas possible de voir, c'est du bullshit. Il faut qu'on avance sur ce terrain-là pour bien donner une base qui soit très claire. Je vais me faire un plaisir au mois prochain. Merci à vous. Merci, bonne soirée.